Amen. Amen. Le frère Alex. Brother Alex. Le frère Alex de l'Australie. Brother Alex from Australia. Après le frère Alex, c'est qui? After Brother Alex, who's next? Sénégal. Paul, parfait, lui c'est toi. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Thank you, thank you. Awesome. Yeah, that's the friend I know. Starting one. My name is Alex, representing a little bit of. I'll be presenting a little bit about what's happening to us as a church in Australia. Je représente un tout petit peu ce qui se passe chez nous dans l'église à Australie, en Australie. Yeah. So we are a house church. Nous sommes une église de maison. So we're quite small. There are about 3 families in that house church. Nous sommes très petits. Nous sommes 2 à 3 à 5 personnes. So it's in- So it's my family, Joshua's family, and the Esther Chapak's family. Il s'agit de ma famille, la famille de Joshua et la famille de Tata Esther. And to be honest, we have very big goals for this year. Mais nous avons de très grands buts pour cette année. Our main goal is to have 1,000 radical Christians who will join us in the church there in Melbourne. Notre plus grand but c'est d'avoir 1,000 chrétiens radicaux qui vont se joindre à nous. So I will talk about what we are doing as a church to accomplish that and about our prayer topics. Nous, je veux parler de ce que nous sommes en train de faire en tant qu'église. Okay. So, as a church, normally we have prayer night. It's every Saturday of every month. It's the first Saturday of every month. En tant qu'église, nous avons des nuits de prière. C'est le premier samedi de chaque mois. And that runs for about 8 hours. Et c'est des nuits de prière d'environ 8 heures. Overnight. Toute la nuit. We have Bible meetings every Tuesday. Nous avons des études bibliques chaque mardi. We have seasons of evangelism, one per quarter. So this is. Nous avons des saisons d'évangélisation une fois par trimestre. So normally the plan for the evangelism is it will run for about 6 weeks, Saturday and Sunday. Le programme d'évangélisation dans la semaine c'est normalement samedi et dimanche. We pendant 6 mois. We go out in groups of 2. Nous sortons dans des petits groupes de 2. And we go to houses, knocking on doors. Nous faisons le porte à porte. And talking to people about Christ. Et nous parlons de Christ. Nous parlons aux gens de Christ. So we had that four in. Well, the plan is to have that 4 times in a year, and we have it twice this year. Donc le programme, c'est que nous ayons de tels programmes 4 fois par an, et nous l'avons déjà tenu 2 fois cette année. So a little bit of update on that. We met 2 people who accepted the Lord during the last evangelism. Une chose qui s'est passée, c'est que nous avons conduit 2 personnes. 2 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus pendant la dernière saison. Glory to God.
the Lord. We also have our program of prayer and fasting. We have 1 day, 3 days, and 7 days. Nous avons également un programme de prière et de jeûne. Nous avons des jeûnes de 1 jour, de 3 jours et de 7 jours. So the 1 day is every Wednesday. Le jeûne d'un jour, c'est tous les mercredis. And we have the 3 days, this is normally at the end of the month. Et le jeûne de 3 jours, c'est normalement à la fin de chaque mois. And normally we have the 7 days if we have a big concern as a church. Et donc quand nous avons un grand programme à l'église, nous avons normalement un jeûne de 7 jours. So another program that we have, of course, the regular Sunday meetings that we have. Regular Sunday meetings. And l'autre programme que nous avons, c'est le culte des dimanches. Another big thing that we did recently is church retreat. So this is a 3-day retreat for the whole church where we stay in the house for the whole 3 days. Donc une autre grande chose que nous avons faite, c'est d'avoir une retraite de toute l'église près de 3 jours. Nous restons ensemble pendant 3 jours sans sortir. So it's also a way for us to do it. It's also a way for us to do evangelism because we invite other people like friends and relatives to join us within that 3 days. En fait, c'est aussi l'occasion pour nous, pendant ces retraites, nous prêchons l'évangile parce qu'à l'occasion, nous invitons des amis, des membres de famille et nous leur prêchons l'évangile sur place. So we have this one program to be twice a year, so we have one already. Et donc normalement de telles retraites nous avons 2 fois par an. Cette année nous avons déjà eu une de ces retraites. I think I'll talk about a little bit of our struggles because our struggles. Alors je veux parler un peu de nos efforts, nos luttes. It's not very easy to knock on people's doors talking about Jesus in Australia. Ce n'est pas facile toquer à quelqu'un en Australie pour lui parler de Jésus. Before you even open your mouth, they will send you away. Avant que tu nous, on va te renvoyer. Because mostly people there are well-to-do, they're well off. So. Parce que ils sont nantis et donc ils ne pensent pas qu'ils ont besoin de Jésus. They normally will say that they have everything they need and they don't need Jesus. Donc ils pensent qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin et donc ils n'ont pas besoin de Jésus. That leads me to my 3 prayer topics. Alors là, cela me conduit à mes 3 sujets de prière. Could I just go the whole 3 Okay. I would like to request for prayer to bring this one of the victims that we're suffering right now because there's so much self-sufficiency in that country that people tend to have everything they need, and for them you don't need Jesus if you have everything. Donc le besoin c'est que les gens sont tellement nantis, ils ont tout ce dont ils ont besoin qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Ça c'est un problème. That's my first prayer topic. Donc, le premier sujet de prière, c'est par rapport à ce problème pour qu'ils voient leur besoin de Jésus. Can we pray for that, please? Est-ce qu'on peut prier pour cela, s'il vous plaît? Father, we thank you, Lord God, for this opportunity. And I pray, Father, for this country, Australia. We pray, Father God, for all the people that we will knock on the doors, Father God. And Father, that you will just break the spirit of self-sufficiency. Father God, we pray that you'll open their eyes, open their hearts and their minds, Father, that they will see the benefit, not just on the material things, Father God, but the totality and the completeness of their life, having it in you, Father. And I pray, Father God, that you will create a need in their heart for Jesus. In Jesus' name, Amen. Another prayer topic is... L'autre sujet de prière, c'est... Is that God will open door for us through our evangelism. Que Dieu nous ouvre des portes pendant que nous évangélisons. As I said, it's very difficult to get opportunities to talk to people. But we know that there's nothing impossible with God. And in His time, He will give us the opportunity. So let's just beg heaven that He will open the doors for us. Prions et supplions les cieux pour qu'il nous ouvre les opportunités pour que nous puissions proclamer l'évangile. Les portes pour que nous prêchions l'évangile.
Let's pray. Prions ensemble. Father, we pray, Lord God, that you will open doors and opportunities for us, Father, that reach the gospel. Father God, as we go, Father God, as we go house to house, we pray, Father, that you will just, Father, release opportunities. That we will talk to people, Father, that every house that we will talk to, that you will give us an opportunity to speak to them about the Lord Jesus Christ, so that we can preach the gospel to them, O Lord. Father, we beg you in Jesus' name. Amen. And my last prayer topic is, mon dernier sujet de prière, c'est, is that God will give us the 100 people who are radically converted for the Lord Jesus Christ. 100. Que Dieu nous donne 100 personnes qui sont radicalement converties au Seigneur Jésus. Let's pray. Let us pray. Father, we pray, Lord God, that as we go evangelism, that there will be people, Father God, who will be converted radically, Father, for the gospel, and that they will seek you in their hearts, Father God. And we pray, Lord, that these people will join us in our church. As a church, Father God, that we will grow in numbers, that we will reach these 100 people for you, Father. Oh Lord, we beg you in Jesus' name. Amen. That's all. Thank you. C'est tout. Merci. Gloire à Dieu, praise the Lord. Gloire à Dieu, praise the Lord. Gloire à Dieu, praise the Lord. Je me présente. I'm introducing myself. Paul. I'm called Paul. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Apostle of Jesus Christ by the will of God. Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. To announce the promise of life à Timothée, to Timothy, mon enfant bien-aimé, my beloved son, que la grâce, may the grace, la miséricorde, and mercy, et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, and peace of God be yours by God, from God, et de Jésus-Christ notre Seigneur, and from Jesus Christ our Lord. Je rends grâce à Dieu, I bless the Lord, que mes ancêtres ont servi, that my ancestors served, et que je sers avec une conscience pure, and that I serve him with a pure conscience, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, of that night and day I remember you continuously in my prayers, me rappelant tes larmes, I, remembering your tears, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, and I desire to see you so that I may be filled with joy. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, to keep the promise of the faith, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs. That is yours, that firstly was in your grandmother Loïs. Et dans ta mère Loïs, Eunice. And in your mother Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. And that I am fully persuaded also is in you. C'est pourquoi je te exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de notre des apôtres. That is why I exhort you to set ablaze the flame of God that was. Car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu pour être encore dans la crainte. Because it's not a spirit of timidity that you receive, nor the spirit of fear. Mais un esprit de force. But a spirit of strength. D'amour. Of love. Et de sagesse. And of wisdom. Mais un esprit de force. Sorry. Un esprit de force. But a spirit of power. Un esprit de force. A spirit of power. Un esprit de force. A spirit of power. Amen. Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Someone has not heard me. Un esprit de force. A spirit of power. Un esprit de. A spirit of. A spirit of power. A spirit of power. A spirit of power. La jeunesse est la force. The youth is the strength. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais finir ma présentation, mais on n'a pas assez de temps. I wanted to finish my introduction, but we don't have enough time. Je serai donc bref dans ma présentation. I'll be brief in my presentation. J'allais continuer, mais je vais écourter. I would have continued, but I had to cut it short. Je suis le frère Paul Matondo.
I am Brother Paul Batongo. De la CMCI Dakar au Sénégal. From CMFI Dakar in Senegal. Et par la grâce du Seigneur, je suis le dirigeant des jeunes et des étudiants là-bas. And by the grace of God, I am the youth and student leader there. Quand je me préparais à venir ici, le missionnaire disait, cette fois-ci, les jeunes seront représentés par leurs dirigeants. When I was preparing to come here, the missionary said, this time, the youths are going to be represented by their leader. Que Dieu te bénisse. May God bless you. La présentation du ministère des jeunes et des étudiants. The presentation of the youth and student ministry. L'église à Dakar est essentiellement composée des jeunes et des étudiants. The church in Dakar is presented mostly by youths and students. It's mainly made up of youths and students. Il y a également la présence de certains frères et sœurs d'un certain âge. They are equally other brethren of other age groups. Mais majoritairement jeunes et étudiantines. But mainly they are youths and students. Et donc, pour notre part, and for us, en tant que ministère des jeunes et des étudiants, as the student and youth ministry, nous constituons une poignée des gens dans l'église. We make up just a handful of people in the church. Pourquoi est-ce que je parle d'une poignée des gens dans l'église? What do I mean by handful of people? C'est pour ce qui concerne effectivement de ceux qui sont engagés dans le ministère des jeunes et des étudiants. I'm talking about those who are actively involved or committed to the youth and student ministry. Bon, je reviendrai là-dessus bientôt. I'll come back to it a while from now. Mais ce que nous poursuivons déjà dans notre fonctionnement, but what we are pursuing as, c'est que nous voulons être à peu près comme ce que la Bible décrit dans Genèse 14. We want to be like what the Bible describes in Genesis chapter 14. Par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous voulons être. Concerning the work of God, that is what we want to look like. Dans Genèse 14, la Bible nous dit que Abraham était parti se battre contre certains rois. And Genesis chapter 14 tells us about the battle of between Abraham and some other kings. Mais en réalité, c'est quand il a appris que Lot et tout ce qui appartenait à Lot a été emporté par l'ennemi, c'est là que Abraham a décidé d'entrer en combat. But it's when Abraham heard that Lot had been captured in the hands of the enemy that is when he decided to go and fight. Mais ce qui me préoccupe surtout, ce qui a retenu mon attention, c'est le verset 14. But what captured my attention was verse 14. La Bible dit que dès que Abraham a appris cela, the Bible says immediately Abraham heard that. Dès qu'il a appris cela, immediately he heard that. Il a armé 318 de ses plus braves serviteurs. He rallied 318 of his brave soldiers. Et dans le verset 24, on nous révèle que c'était des jeunes. And in verse 24, we are told that they were youths. Donc, nous, en tant que jeunes et étudiants, ce que nous voulons être, c'est que nous puissions être disponibles pour l'œuvre du Seigneur à tout moment. So we, as youths and students, what we want to be is to be available for the service of God at all times. C'est ce que nous voulons être en termes de disponibilité. That is what we want to be in terms of being available. Des gens qui soient présents pour l'œuvre du Seigneur. People who should be present for the work of God. Qui manifestent leur consécration par leur disponibilité. Who manifest their consecration by their availability. Et donc nous sommes dans certains nombres dans l'église. So we are about a certain number in the church. Et nous tenons certaines activités que je vais partager tout à l'heure. And we carry out some certain activities which I'll share with you. Comment pensons-nous impulser le ministère des jeunes et des étudiants dans notre pays? Impulser. How do we think to promote the youth and student ministry? C'est ma première fois d'arriver ici à Koumé. It's my first time to be here in Koumé. J'ai été immensement béni d'arriver ici. I have been greatly blessed by my presence. J'ai reçu un profond ministère par les enseignements et par tout ce qui se passe. I've received a deep ministry through the teaching and all that has been going on. Mais j'ai été impressionné. And I've also been impressed. Par l'immensité de Koumé. By the greatness of Koumé. Et par tout ce qu'il y a à faire. By all what is to be done. Et en voyant cela, un fardeau naissait dans mon cœur. And by seeing this, a burden is birthed in my heart. Le fardeau de financer pour l'œuvre. The burden of financing for the work. Donc, ce que nous comptons faire. So what we are planning to do. Pour impulser l'œuvre dans notre à Dakar.
to foster the work in Dakar. C'est en rapport à ce qui vient d'être partagé aujourd'hui. It's in relation with what was shared today. C'est la prophétie de Santa Cruz. The Santa Cruz prophecy. Amen. Amen. Nous allons prendre l'engagement de revenir à la prophétie de Santa Cruz. To return to the obedience of the Santa Cruz prophecy. De la vivre. And to live it. Et de l'utiliser pour ce qu'elle est réellement. And to use it for what it truly is. Un instrument de qualification pour les desseins de Dieu pour notre ministère. An instrument used to qualify us for the purposes of God for our ministry. Mais en même temps, un instrument de disqualification pour ceux qui ne seront pas engagés. And at the same time, an instrument for the disqualification of those who will not be committed. Mais nous ne voulons pas être disqualifiés. C'est pourquoi nous allons utiliser la prophétie de Santa Cruz. But we don't want to be disqualified. That is why we use the Santa Cruz prophecy. Nous allons vivre la prophétie de Santa Cruz. We will live out the Santa Cruz prophecy. Afin de donner l'impulsion à l'œuvre de Dieu à Dakar. So that we can foster our work in Dakar. Afin que le ministère des jeunes apporte sa contribution à l'œuvre de Dieu à Dakar. So that the ministry of youth, the youth ministry can bring its contributions to the work Mais in Dakar. Mais également, je vais engager par ma personne. But equally, I also want to commit les jeunes et les étudiants de Dakar. The youths and the students of Dakar. Afin que nous puissions à un rythme régulier apporter notre contribution financière pour l'avancement de pour la construction de l'œuvre de Dieu. So that we can all together bring in our financial contribution for the advancement of the work. Amen. Amen. Ce que les jeunes font à Dakar. What the youths are doing in Dakar. Je dirais déjà que les jeunes sont engagés à Dakar. I would already like to say that the youths in Dakar are committed. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. There are many things that we could say concerning that. Mais il n'y a pas assez de temps pour parler de tout ça. Sorry. Il n'y a pas assez de temps. But we don't have enough time. Mais dans le cas du ministère des jeunes et des étudiants, But in the case of the youth and student ministry, nous avons deux programmes de prière en semaine. We have two prayer programs in the week. Les lundis et les mercredis. On Mondays and Wednesdays. De 21h à 24h. From 9 p.m. to 12 midnight. Dépendamment du fardeau, parfois nous commençons de 19h à 24h. Depending on the burden, sometimes we pray from 7 p.m. to midnight. Mais sinon, c'est de 21h à 24h, lundi et mercredi. But if not, it's from 9 p.m. to midnight on Mondays and Wednesdays. Et chaque mois, and each month, à part juste les derniers mois, But for the last month, depuis un moment, chaque mois, nous avons une retraite d'enseignement. For some time now, each month we've been having teaching retreats. Une retraite d'enseignement et de communion fraternelle. Teaching retreats and fellowship. Nous les organisons généralement les samedis. We generally have them on Saturdays. Et pendant ces moments, during these times, le missionnaire est présent. The missionary himself et is around. Il nous enseigne par rapport au fardeau de l'heure. And he teaches us concerning the burdens of the hour. Et par la suite, and after that, pendant la retraite, nous voyons pratiquement comment devons-nous avancer dans le cadre du ministère des jeunes et des étudiants. During the retreats, we see how we can practically carry out this in the youth and student ministry. Mais ces retraites sont sanctionnées par la visitation du Saint-Esprit. But these retreats are honored by the visitation of the Holy Spirit. Et une chose qui est remarquable, c'est que le Seigneur rafraîchit pratiquement tous ceux qui prennent part à cette retraite. And something that is quite visible is that the Lord renews all those who attain this program. Chaque mois également, each month equally, nous organisons les agapés évangéliques. We organize meal fellowships. Tantôt c'est chaque mois, tantôt c'est même deux fois dans le mois. Sometimes it's twice a month. Pourquoi est-ce que je parle des agapés évangéliques? When I talk about evangelistic meals, parce que la configuration de l'église est d'une certaine particularité. It's because the composition of the church has a certain peculiarity. Si bien que ce n'est pas toujours facile pour le ministère des jeunes et des étudiants. In such a way that it's not always easy for the youth and student ministry. D'organiser les activités autant qu'il le veut. To organize as many activities as they want. Parce que ces mêmes jeunes qui font partie du ministère des jeunes et des étudiants. Because the same youth who belong to the youth and student ministry sont également engagés dans leur cellule de maison.
are equally committed to their houses. Et d'autres ont d'autres engagements. And others have other commitments. Et certains d'entre eux, quand ils sont libres pendant les vacances, sont dans les villages. And some of them, when they are free, go back to the village for holidays. Moi-même qui vous parle également, l'année passée, pendant, j'ai passé mes vacances au village. I too, I had to spend my holidays in the village last year. Et certains sont dans les villages pour l'évangélisation. Others go to the village for evangelism. Moi j'y étais pour l'enseignement de nos livres. I was there for the sales of our books. For the teaching of our books, thank you. Le chemin de la vie, le chemin de l'obéissance. The way of life, the way of obedience and others. Amen. Amen. Donc c'est de façon générale, les jeunes sont très engagés. In a general way, the youths are very committed. Au moment où je vous parle, il y a certains qui sont dans les villages pour l'évangélisation. As I speak to you now, there are others who are in the villages for evangelism. Et parmi eux, il y en a qui sont des membres également, des membres dirigeants du ministère des jeunes et des étudiants. And as I speak, there are others who are leaders of the youth of the student ministry. Pour les difficultés que nous rencontrons, for some of our challenges, ils sont dans certains nombres. We have a few challenges. Et parmi lesquels ce que je commençais déjà à déballer tout à l'heure. Amongst which I already started talking about a while ago. C'est que les mêmes jeunes sont impliqués dans beaucoup d'autres choses. Is that the same youths are committed to many other things. Si bien qu'ils ne peuvent pas être permanemment à la disposition des programmes du ministère des jeunes et des étudiants. So that in such a way that they find it difficult to permanently take part in the other youth and student ministry programs. Les mêmes jeunes également sont engagés dans différents programmes de jeunes. The same youths are also committed to other youth programs. Si bien qu'ils ne peuvent pas toujours, on n'a pas pour le moment un programme de jeunes régulier. So we don't have a regular youth program. C'est plutôt pour la préparation de nos activités qu'une chaîne de jeunes est organisée. It's when we are planning a program that some youths organize themselves. Amen. Amen. Les perspectives que nous avons, our perspectives. Nous comptons organiser une sortie évangélique. We are planning to organize an evangelistic outing. Avant mon voyage, c'est sur cela que nous étions. Before I travel, that's what we are working on. Ce sera une sortie évangélique de 3 jours à l'intérieur du pays. It will be an evangelistic outing for 3 days in the interland of the nation. Mais également un moment de communion et d'enseignement. But equally a time for fellowship and teaching. Nous comptons également organiser des évangélisations en salle. We are equally planning to have evangelistic campaigns, indoor evangelistic campaigns. Et comme je le disais tout à l'heure, nous aurions également un programme. Nous allons apporter notre contribution financière pour la construction de Koumé. And as I said a while ago, we are going to bring in a financial contribution for the construction of Koumé. J'ai 3 sujets de prière. I have 3 prayer topics. Le premier sujet, c'est par rapport à tout ce que j'ai personnellement reçu comme enseignement pendant ce camp des étudiants. Ok. The first is concerning what I received during the teachings while being here. De ce côté-ci, vous allez prier pour nous à Dakar au Sénégal. This side to our right, you pray for us in Dakar in Sénégal. Que le ministère des jeunes et des étudiants soit loyal à la vision du ministère et qu'il la poursuive. And that the youth and student ministry will be loyal to our vision and our ministry and pursue it. Que nous soyons des jeunes et des étudiants loyaux à la vision du ministère et que nous puissions la poursuivre. That we will be youths and students who are loyal to our vision, to the vision of our ministry, and that we will pursue it. Ici, nous allons prier que le Seigneur bénisse le fruit de nos efforts. Here in the middle, we pray that the Lord will bless our efforts. Parce que nous faisons des efforts, nous sommes engagés, nous sommes impliqués. Because we are putting in a lot of efforts and we are committed. C'est vrai que certains ne le sont pas toujours, mais dans l'ensemble, c'est ça. It's true that there are always exceptions. Et ici, de ce côté-là, and this other side,
Vous allez prier que le Seigneur bénisse les jeunes et les étudiants à tous les niveaux. You pray that the Lord will bless the youth and students at every level. Prions tous ensemble. Let's pray all together. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Praise the Lord! Gloire à Dieu! Praise the Lord! Gloire à Dieu! I don't think you are happy. Je ne pense pas que vous êtes content. Because if I say praise the Lord, parce que quand je dis gloire à Dieu, you are to jump up and say amen. Vous devez sauter et dire amen. If God is really good to you, if God is really good to you, si Dieu est vraiment bon envers toi, and He's doing good things in your life, et il fait de bonnes choses dans ta vie, you have jumped up, tu aurais sauté and say amen. Et dit amen. Praise the Lord. Thank you so much. Merci beaucoup. Amen. Amen. All right. My name is Lois Ojong. Je m'appelle Lois. I'm from Liberia. Je viens du Liberia. Sorry, my English is not good. Désolé, mon anglais n'est pas très bon. So you just have to bear it with me. Alors, bien vouloir supporter. All right. Presentation from CMFI Liberia. Présentation de la CMCI Liberia. Youth Department. Département de la jeunesse. I'm sorry, my presentation will not be like others. Je suis désolée, ma présentation, mon exposé ne sera pas comme pour les autres. Because I was not prepared for it. Parce que je n'ai pas préparé cela. And another thing is that. Autre chose, c'est que. In Liberia, au Liberia, the youth is not really active yet. Les jeunes ne sont pas très actifs. Yes. Ne sont pas encore très actifs. All right. The birth of CMFI Liberia was on February 27, 1997. All right. I'm going to take it slow for her. Thank you. The birth of CMFI Liberia. La naissance de la CMCI au Liberia. Was February 27, 1997. Était le 27 février 1997. From that time. À cette époque. Youth and adults were missed. Les jeunes et les adultes étaient mixés. They were not separated. Ils n'étaient pas séparés. But actually, mais à l'heure de nos jours, 50% of CMFI are 50% des membres de la CMCI sont les jeunes. The leader of the youth in CMFI is a woman. The leader of CMFI youth is a woman. La dirigeante de la CMCI est une femme. Her name is Mistress Tufa Lloyd. Elle s'appelle Madame Tufa Lloyd. She's a humble woman. Elle, c'est une femme ouverte. She have heart for the youth. She's a humble woman. C'est une femme humble. She have heart for the youth. Elle a le cœur ouvert pour les jeunes. Because of her love to see the youth being promoted. À cause de son amour de voir les jeunes être promus. She has organized two groups.
organized. Elle a organisé deux groupes. The first group is Girls of Glory. Girls of Glory. Ok, le premier groupe, ce sont les filles de la gloire. They are a group of girls. C'est un groupe de filles. Only girls. Juste des filles. And the second group. Et le deuxième groupe. Are boys. Sont les garçons. The girls are people who are set apart for Jesus. Les filles sont des le premier groupe est constitué de filles qui sont séparées, consacrées pour le Seigneur. The boys are people who go out to evangelize, but they have not started. Et le groupe des garçons vont évangéliser, mais ils n'ont pas encore commencé. And they are called aggressive soul winners. Aggressive soul winners. Aggressive soul winners. Ce sont des évangélistes agressifs. All right. Now we have an acting president. Maintenant nous avons un président actif. His name is Aliou Bougari. C'est son nom. All right. Over the past years, au cours des années antérieures, the youth have come together to organize small, small meetings. Small meetings. Les jeunes se sont assemblés pour créer des petites réunions. But at April 2015, mais en avril 2015, Ebola North Liberia, dans le nord du Liberia, Ebola a frappé le nord du Liberia, pardon. Ebola a frappé le Liberia. And because of this, et à cause de cela, we have to sit down for 1 year. 1 year, we have to sit down for one year. Nous avons dû ne rien faire pendant une année. 1 year, we have to leave school for 1 year. Ok, nous avons dû ne pas aller à l'école pendant une année. During this time, pendant ce moment, the leader saw a need for the youth to come back together. La dirigeante a vu le besoin pour les jeunes de venir ensemble. Because we weren't going to school, parce que nous n'allions pas à l'école, we had 3 different days for youth meetings. Nous avions 3 différents jours pour les réunions. We have Monday. Nous avons les lundis. We have Wednesday. Les mercredis. We have Friday. Et les vendredis. And the Lord was in our midst. The Lord was in our midst. Et le Seigneur agissait. Était parmi nous. Many youths got to know that if God would have come, they would have never gone to heaven. Many youths got to know. Plusieurs jeunes ont compris que si le Seigneur venait entre-temps, ils ne seraient pas enlevés au ciel. So people repented bitterly. Donc les gens se sont mieux repentis. They repented. Ils se sont repentis. People even exposed their sin publicly. Les gens ont même exposé leurs péchés publiquement. They didn't mind what people would say. Ils ne se souciaient pas de ce que les gens vont dire. We stayed for about 2 months. Nous avons passé environ 2 mois. Our leader husband got seriously sick. Sorry. The husband of our leader got sick. Le mari de notre dirigeante est tombé malade. And for that reason, et pour cette raison, we have to stop. Nous avons dû arrêter. School open. L'école, il y a eu la rentrée des classes. We went back to school. Et nous avons recommencé à aller à l'école. We are no longer active again. Et puis, nous avons cessé d'être actifs. All right. Now, maintenant, July 14, 2016, le 14 juillet 2016, we came back together. Nous avons recommencé à nous retrouver. And we committed ourselves to God. Et nous sommes engagés à Dieu. Start our youth meetings again. Que nous allons recommencer nos réunions de jeunes. And our first attendance, et notre première rencontre, was 30 and more. Nous étions environ 30 ou plus. After that, we had many people coming. Et puis après cela, nous avons plusieurs personnes qui se sont joints à nous. In July 7, 2016, le 8 juillet 2016, we had a youth meeting. Nous avons tenu une réunion des jeunes. Which was on Thursday. Et qui était un jeudi.
And in that youth meeting, et pendant cette réunion des jeunes, Daddy Kim, okay, Pastor Henry Ojong, the missionary le missionnaire est venu, il était présent à cette rencontre. He visited us et nous a rendu visite to see how far pour voir jusqu'où nous étions arrivés. He wanted to help us because our leader was not there that day. Il n'a pas pu nous aider parce que ce jour-là, notre dirigeante n'était pas là. He asked, "What can we do to see the youth back on track? What can we do to see the youth going back to holy life?" Alors il a posé la question, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour voir que la jeunesse retourne à une vie sainte? And many people gave suggestions. Et plusieurs personnes ont fait des suggestions. Our results came to. Et ce que nous avons pu avoir ce jour-là, comme nous avons tiré de ces suggestions, we'll have a youth camp. Il nous faut avoir un camp de jeunes. And the youth camp will be on August 22nd. Et ce camp de jeunes devra se tenir le 22 août. And also we'll have a youth tarry. Night prayer. Et donc nous allons également avoir une nuit de prière des jeunes. And now during that night prayer, et pendant cette nuit de prière, we strongly pray for our youth camp to hold on August 22nd. Et nous allons prier pour notre camp de jeunes qui doit se tenir le 22 août. And another thing again in that program. Sorry. And another aim was. Une autre chose que nous avons décidé, c'était we'll also go out and evangelize. Nous allons également sortir pour évangéliser. So on July 13, donc le 13 juin, which was Wednesday, qui était mercredi 2016, we'll have our first tarry. Nous avons eu notre première sortie. And it was great. Prayer night. Ah, nous avons une autre première nuit de prière. And it was great. C'était une grande nuit de prière. We blessed the Lord that day. Nous avons béni le Seigneur ce jour-là. And we prayed that God should strengthen us in our tarry. Et nous avons prié que Dieu nous fortifie pendant notre nuit de prière. We don't want to stop. Nous ne voulions pas arrêter. When I came here, quand je suis venu ici, they called me. On m'a appelé. I called. C'est moi qui ai appelé en fait. To ask how far the tarry gone. Et j'ai demandé comment était la nuit de prière. They said they had it behind me. They said they took place when I was not there. On a dit que la nuit de prière a eu lieu en mon absence. And I was happy. Et j'étais contente. Now, July 2016. Maintenant, juillet 2016. Daddy carried us for a program. Daddy took us out for. Donc notre missionnaire, notre dirigeant nous a conduit à un programme for in another locality. Donc nous a amené dans une autre localité. Now in that locality. Dans cette localité. Actually it's like a bush. Et c'est comme une brousse, un village. Yes. Now we saw many youth. Nous y avons rencontré beaucoup de jeunes. 80% of the church was youth. 80% de cette église était constituée des jeunes. They don't know God. Et qui ne connaissent pas Dieu. They are just living on their own. Et juste, ils sont là, ils se battent juste. So we felt sorry. Alors nous avons eu pitié d'eux. Since the distance was very far, puisque c'était un endroit très éloigné, we organized a youth meeting there. Nous avons dû organiser une réunion des jeunes là-bas. And they suggest that it will be every Sunday at 1 o'clock. Et on a suggéré que cette réunion se tienne chaque dimanche à 13h. That they will come together and at least pray. Et qu'ils vont se réunir et au moins prier. And then we planned that. Oui. We made a decision that nous avons décidé que during this come at August 22nd le 3 jours avant le 22 août 2016 we made their fees cheap for all of them to come over. Nous allons réduire le coût de leur participation pour qu'ils puissent venir nombreux à ce camp so that God can visit them. Afin que Dieu puisse les visiter. That was our goal. Ça, c'était notre but. Actually, the reason why we are organizing this camp in August 22nd.
En fait, la raison pour laquelle nous organisons ce camp le 22 août 2016, it's because we want God to visit us. C'est parce que nous voulons que Dieu nous visite. We have been stuck for long. We have been cool nous for avons long. Été froids pendant trop longtemps. Today we confess our sins. Aujourd'hui, nous confessons nos ask péchés. God to forgive nous us. Demandons que Dieu nous pardonne. After 3 months, 3 mois plus tard, we go back to that nous retournons à ces péchés. Nous recommençons à confesser after ses péchés months, et après 3 mois we go back to nous y retournons. So when I came to the camp, donc quand je suis venu au camp Daddy Theodore preaching, écoutant Daddy Theodore preaching, j'ai réalisé que we don't have true conviction. Nous n'avons pas expérimenté la vraie conversion. Because if there's true conviction, parce que s'il y a la vraie conversion, we spend 3 years, 4 years, and still be radically born again. Nous allons continuer pendant 3 ans, 4 ans, et continuer à être de bons, nés de nouveau, radicaux. Even me when I came here, moi-même qui suis là en train de parler quand je suis venu ici, I got to know I was deceiving myself. Je me suis rendu compte que je me trompais, je me séduisais moi-même. In my church, dans mon église, if there's no one there to know for holy life, s'il y a une personne qu'on sait mener une vie sainte, they know me. C'est moi. But when I came here, mais quand je suis venu ici, I got to know I was deceiving myself. Je me suis rendu compte que je me séduisais moi-même. And my prayer is that et ma prière, c'est God que gave me true conviction. Que Dieu me donne la véritable conversion. I don't want to go back the same. Je ne veux pas rentrer dans la I même. Want to have that conviction. Je veux connaître la vraie conversion. That will stand up with Daddy Zach. Sorry? That will stand up with Daddy Zach. I will stand up to make sure the vision come to pass. Afin que je puisse me tenir pour m'assurer que la vision s'accomplisse. Amen. Amen. That's the story of the youth. Ça, c'est ce qui concerne la jeunesse au Libéria. Our holy life is like this, like that. Notre vie de sanctification est comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. So now my prayer is. Donc maintenant ma prière c'est. That the youth come. August 22nd. La prière, suivez le sujet de prière. C'est que pendant le camp du 22 août, it should hold. Que ce camp tienne effectivement. And God should grant that somebody go there. Et que Dieu permette que quelqu'un y aille. That will minister to the youth. Qui va rendre ministère aux jeunes. That the youth will come up being radically converted with true conviction. Que les jeunes sortent de ce camp étant radicalement convertis, connaissant la vraie conversion. That through the youth in CMF Liberia, que à travers les jeunes, la CMF Liberia will rise. Puisse se lever, connaître le réveil. They will take the church. The prayer topics. Yes, that's the first topic. Ok, prions le premier sujet, s'il vous plaît. Ok, vous priez, vous de l'autre côté, priez ce sujet. Que ce camp des jeunes tienne effectivement le 22 août. Que Dieu trouve quelqu'un, que Dieu bénisse avec un orateur qui va prêcher aux jeunes et qui connaisse la véritable repentance. Et qu'à partir de que un réveil éclate à la CMC Liberia. Ça, c'est sa préoccupation, la première. Second. Et ça, ça c'est les that? Deux côtés-ci. Yes. Le deuxième ça, sujet. That same ever youth que la jeunesse de la CMCI will know the goal of the church. They will know the goal of the church. Qui puisse connaître la croissance. Qui puisse connaître le but de l'église. Because actually we don't know the goal. Parce qu'en fait, nous ne connaissons pas le but. We are just coming to church. Nous venons juste à l'église. Like everyone can do. Comme tout le monde le fait. But God will tear the veils of this, the youth eyes. Que Dieu déchire le voile d'aveuglement des yeux des jeunes. That they will know the goal. Qu'ils connaissent le but. And everyone will step up to work hard to the goal. Et que chacun travaille dur, s'engage à travailler dur pour l'accomplissement du but. Tête. And I'm with three. That's all. You have how many? Three. Okay, that's all. Yes. Okay. The last one. Le dernier sujet. Ça, c'est pour ce côté. Ce qu'on a donné tout à l'heure là. Pour que le Dieu déchire le voile d'aveuglement. Qu'il voit le but et qu'il se lève et qu'il se tienne. S'assure que le but s'accomplisse. Ça, c'est votre prière. Nous. The last one is that. Le dernier sujet, c'est.
God will visit me. Que Dieu me visite personnellement. I won't go back the same. Que je ne retourne pas étant la même. I want for my life to change. Je veux que toute ma vie change. That I should go in line with a vision. Que je parte avec la vision. That when I go back, que quand je vais rentrer, I'll be a help to my friends. Que je puisse aider mes amis. Because all of them kept telling me, parce qu'ils ne cessent de me dire, Lord's going here for us and come. Va, écoute pour nous et reviens. That even if I go, I will not want to be like them. Donc quand je vais rentrer, qu'on ne soit plus comme eux. I will be among that 1,000 that will make a difference in my nation. I will be among that 1,000 that will make a difference in my generation. Donc que je sois parmi les 1,000 qui vont apporter, faire la différence. Amen! Go! Thank you so much. Merci beaucoup. I'm so grateful. Je suis très reconnaissant. I know there will be a change in Liberia. Je sais qu'il y aura un changement au Liberia. Amen. 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 It's a great privilege. C'est un grand privilège. To share what is happening in South Africa, in Cape Town. De partager ce qui se passe en Afrique du Sud, en particulier au Cape Town. My name is Michael Ngoatem. Je m'appelle Michael Ngoatem. I'm from the church in Cape Town. Je viens de l'église de Cape Town. And I am the student leader of the university work. Je suis le dirigeant de l'œuvre de parmi les l'œuvre dans les universités. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Since 2008. Depuis 2008. We've been very much engaged with the university. Nous sommes engagés, tellement engagés dans les universités. And our work is, I would say it is international. Et notre œuvre, je veux dire, est une œuvre internationale. We are touching the nations. Nous touchons les nations. From the university. À partir des universités. So you will find in the church, which is mostly student church. On trouve dans l'église qui est essentiellement constituée d'étudiants. Students from Zimbabwe. Des étudiants venant du Zimbabwe. Nigeria. Du Nigeria. Uganda. De l'Ouganda. So most of these SADC countries, the church is sometimes composed of all these nations. Donc essentiellement l'église est constituée des gens venant de beaucoup de ces pays de l'Afrique australe. Amen. Amen. So we really will not have a stable church because students come and go. En réalité, il est difficile pour nous d'avoir une église stable parce que les étudiants viennent et s'en vont. But we know that God is using us to impact other nations. Mais nous savons que Dieu est en train de nous utiliser pour impacter les autres nations. Presently, présentement, we launched a program of evangelism. Nous avons engagé un programme d'évangélisation. We call it infecting universities. Nous appelons cela influencer les universités. Infecting the universities. Infecter comme telle des infections, infecter les universités. For Jesus Christ. Pour Jésus-Christ. And the process is distribute thousands of tracts. Et ce projet consiste à distribuer 1,000 traités. Thousands of tracts. Des milliers de traités, pardon. So we strategize to stand on each, when we take a university, we stand on each of the gates. Donc notre stratégie, c'est que quand nous arrivons dans une université, nous allons nous tenir devant chaque entrée. To distribute tracts to everyone entering the university. Distribuer des traités à quiconque entre à l'université. We pray that God will give us success. Nous prions pour que Dieu nous donne du succès.
Amen. Amen. So there's a team of brethren, students. Il y a également une équipe de frères qui sont des étudiants. We pray every lunch time. Nous prions à chaque pause, grande pause à l'après-midi. For the progress of our work. Pour le progrès de notre œuvre. So we pray from every lunch time. That is from 1 o'clock to 2 o'clock. Donc every day. Nous prions entre 13h et 14h. Every. 1 o'clock to every day. Chaque jour. For our work on campus. Pour notre œuvre dans les universités. That God will move. Pour que Dieu agisse. Because we have had a number of resistances. Parce que nous avons rencontré beaucoup de résistances. That students believe. C'est-à-dire, par exemple, des étudiants qui croient. They are integrated in the church. Qui intègrent l'assemblée. But somehow you realize they just. Mais d'une manière ou d'une autre, on se rend compte qu'ils s'en vont. Especially the locals. Surtout les indigènes. This trend is not amongst foreign students. On ne trouve pas cette tendance parmi les étudiants étrangers. It's about the South Africans. C'est surtout concernant les Sud-Africains. So we've realized that there's a spiritual battle that is going on. Et donc nous nous sommes rendus compte qu'il y a une bataille spirituelle qui est en cours. Making it difficult for us to keep South Africans. Nous rendant la tâche difficile de conserver les Sud-Africains qui croient. We pray that God will give us victory in that area. Nous prions pour que Dieu nous donne la victoire dans ce domaine. I will share the topic. Okay. So, in another section. Dans une autre partie de la ville. One of the other brother is leading the house church there, which is made of only students. Et un autre frère est en train de diriger une église de maison qui est constituée seulement d'étudiants. So the project is also taking place in that same university. Donc le projet que j'ai mentionné est en train d'avoir cours aussi dans cette université. In order not to take your time. Afin de ne pas vous retenir pendant longtemps. I want to beg for prayers. Je voudrais supplier que vous priez. And I will distribute the prayers. Je vais distribuer les sujets de prière. Please, may this section. S'il vous plaît, que ce côté-ci. Pray that God will give us what it takes to keep South Africans. S'il vous plaît, priez pour que Dieu nous donne ce qu'il faut afin de conserver les Sud-Africains qui croient. Amen. Amen. And this section, please. Ce côté. To the Lord. Supplier le Seigneur that our evangelistic projects que nos projets d'évangélisation will succeed, puissent réussir, especially the infecting the campuses. Surtout le projet infecter les campus. Amen. Amen. And our brethren on this other side. Et nos frères de l'autre côté. Please cry out to God that those who are with us. S'il vous plaît, criez au Seigneur afin que ceux qui sont avec nous will put in their all. Puissent y mettre leur tout. To see that we succeed. Pour veiller à ce que nous réussissions. In our evangelistic projects. Dans nos projets d'évangélisation. Amen. Amen. Can we pray together? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. Amen. Lastly, I want us to pray that God. Finalement, je veux que nous prions pour que Dieu. He will raise for us critical South Africans. Qui suscite pour nous des Sud-Africains critiques. From the universities. À partir des universités. That will go into the city. Qui vont aller dans les villes. We live in a city that is about 3 million people. Nous vivons dans une ville qui a environ 3 000 personnes. 3 millions de personnes. About 3 million people. Environ 3 millions de personnes. It's a big city. C'est une métropole. And we have seen that in order for us to take the city, we need to go through the universities. Et nous voyons que pour que nous puissions gagner cette ville, il nous faut passer par les universités. Because language is one of our biggest barriers. Parce que la langue constitue l'un de nos plus grandes barrières. Communicating in the local language. Communiquer dans les langues locales. So we need critical, we need South Africans
who will be critical for the work, who will catch the vision. Nous avons donc besoin de Sud-Africains qui vont saisir la vision. So that we can penetrate into the communities. Afin qu'à travers eux, nous puissions pénétrer les communautés. Praise the Lord. Can we pray together? Est-ce qu'on peut prier ensemble? That God will raise for us such people. Que Dieu suscite pour nous de telles personnes. Let's pray. Prions. Father, we pray, O God, that you raise for us in the name of the Lord Jesus Christ. Who will be, O God, influence the world. Who get, O God, where they work to progress into the communities. We plead, our Father, in the name of the Lord Jesus Christ. We pray, O God, in Jesus' name. Amen. 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 Thank you very much. Merci. I want to just thank Brother Jojo. Je voudrais remercier le for giving Jojo us this opportunity. De nous avoir accordé cette opportunité. I'll be leaving the camp now. Je vais quitter le camp maintenant. And I'm going back. Et je rentre. Thank you. Merci. Étendons nos mains sur notre frère Michael et recommandons-le au Seigneur. Let's stretch our hands towards Brother Michael and commit him to the Lord. Prions ensemble. Let's pray together. Amen. Tu voudras bien embrasser pour nous Bertrand Sonnet et son épouse. Please, et dire bien des choses à la grande famille de la CMCI Cape Town. Dis-leur que nous les aimons beaucoup et que nous les portons dans nos cœurs. Amen. Que nous avons enfanté des Zoulous et des Sud-Africains pour la conquête des nations. Des nations. Nous allons écouter l'Allemagne. We are going to listen to Germany, the sister from Germany. La Guinée équatoriale se prépare. Equatorial Guinea prepare. Est-ce qu'ils sont là, la Guinée équatoriale? D'accord. Donc la Guinée équatoriale se prépare. Equatorial Guinea prepare to be next. La Guinée équatoriale sera suivie par la Gambie. La Guinée équatoriale suivi par la Gambie. Est-ce que Equatorial Guinea will be Gambia? Est-ce que la Gambie est là? Is Gambia there? Ils sont là. Et puis on sortira ce soir par l'Espagne. And then we'll end with Spain. Est-ce que l'Espagne est là? Is Spain in the hall? Elle est dans la boîte là. Ok. Nous demandons aussi le calme à nos amis du Chabat. Please, we are asking for silence for our friends behind. Facilitez-nous la tâche. Make things easier for us. On me reçoit au Shabbat. Can you get us from behind? Nous comptons sur vous. We are counting on you. Praise and hell. Gloire à Dieu. On peut arranger ça. C'est flou. Non, je vais parler en français. J'ai appelé mes frères. C'est après quelques phrases, je veux me faire du désert. Mais tu commences là. Et voici, je veux même tout. Ok, Est-ce d'avoir un moment? Un instant, s'il vous plaît. Super. Super. Also, ich heiße Winnie Tatiana Saar. Je m'appelle Winnie Tatiana Saar. Hein? Non, ça va aller, je vais trouver par en français. Und ich vertrete hier die christliche missionarische Gemeinschaft internationale von Deutschland. Je représente ici la communauté missionnaire chrétienne internationale de l'Allemagne.
Ich habe den Vortrag von heute Abend wie folgt gegliedert. J'ai donc préparé un exposé sur l'œuvre, ce que nous faisons en Allemagne. Und le premier point sera la démographie de l'église. The first point will be the church demography. Ensuite, je vais un peu parler de comment est-ce que l'église est structurée en Allemagne. Then I'm going to tell you about the structure of the church in Germany. Les activités des jeunes. The youth activities. Et je vais prendre un cas précis, le cas de l'église de Dresden que je dirige. Then I'm going to give a case, a specific, the case of the church of case what? Dresden. Dresden, where I am from. Les difficultés qu'on rencontre dans l'œuvre en général. The challenges that we face in the work in general. Les perspectives. The prospects. Et ensuite, je vais supplier pour des sujets de prière. Then I'll give you my prayer topics. L'église en Allemagne, l'œuvre en Allemagne a environ 200 membres. The church in Germany is made up of about 200 members. On n'a pas un ministère aux jeunes spécifique parce que 90% des membres de l'église ont moins de 30 ans. We don't have a specific youth ministry because about 90% of the church in Germany is made up of the youth of less than 30 years old. Et plus de 80% sont étudiants. Plus de 80% sont étudiants. And more than 80% are students. Donc on a 5 à 7% qui travaillent. So we have 5 to 7% who are workers. 5 lycéens. 5 high school students. J'ai rencontré une lycéenne venant de l'Allemagne ici au camp, dont elle va augmenter le nombre de lycéens à 6. And when during this camp, hello, I've encountered another high school student from Germany. So that will make the number of students that will increase it to 7. To 6. To 6. Yeah. Et nous avons à peu près 15 enfants. So we have about 15 children. L'église pour l'Allemagne a 16 États fédéraux. The Germany is made up of 16 federal states. Et jusqu'à présent, nous avons 10 États qui ont déjà été pénétrés. And we've already penetrated 10 states. Donc, on a 8 églises locales d'environ 10 à 40 membres. And we have 10 good churches made up of about 40 members each. Le quartier général, c'est à Francfort. This is where the headquarters of our work is found. That's it in Hessen. On a une grande base à Berlin. La sœur Hermione était là l'année dernière. Elle est pasteur à Berlin. We have a big base in Berlin. Sister Hermione was here. She's the leader there. Dans dans l'état de Brême. In the state of Bremen. Avec le pasteur Théophile. With Pastor Theophile. Dans l'état du Saarland avec le pasteur Ruby. And the state of Saarland with Pastor Ruby. Dans l'état du Baden-Württemberg avec l'église de Stuttgart. The state of Baden-Württemberg with the pastor of Stuttgart. Le pasteur Junior. Pastor Junior. Et c'est de là où maman Gangambi vient. And that's where mom Gangambi is from. Et ça fait 5. Il manque un. Ça fait 5. Oui. Et maintenant, les églises qui sont dirigées par les étudiants, il y a l'église de Cologne dans le Nordrhein-Westfalen. And now, considering the churches which are being led by students, we have the church in Nordrhein-Westfalen. À Cologne. In Köln. Et puis l'église de Dresden dans le Sachsen que je dirige. Then the church in Dresden, where I am. Et on a 5 études bibliques qui ont à peu près 5 à 15 membres. We have about 5 Bible study groups of 15 to 20 members. 5 to 15 members, sorry. Dans l'église à Mannheim. We have the church in Mannheim. Mannheim a une église aussi. Mannheim also has a church. Donc on a l'étude biblique de Fulda dans le Essen. We have a Bible study group in Fulda. L'étude biblique de Essen dans le Nordrhein-Westfalen. We also have a Bible study group in Hessen. Et on a deux études bibliques, une étude biblique à Chemnitz. We have another Bible study group in Chemnitz. Et une à Imenau dans le Thuringen. And in Imenau in Thuringen. Exactement. Donc les activités que nous avons
principalement, on a commencé en 2014 avec notre plus grand concert, un concert évangélique en Gandekese. We actually started in 2014 with a concert. Et le concert était vraiment un grand succès au point où on est sorti dans le journal de la région. That concert was actually a success to the point that we are talked about in newspapers in that region. Malheureusement et heureusement, le frère Edwin est maintenant en Côte d'Ivoire. Unfortunately or fortunately, brother Edwin is in Côte d'Ivoire. Mais on a continué sur la même lancée avec d'autres conseils évangéliques dans les universités. So we continued with our evangelistic concert in the universities. Donc ils se tiennent tous les trois mois. We have it every 3 months. Dans Francfort, la ville de Francfort, les assemblées rattachées un peu partout en Allemagne. And it's in Frankfurt and the other assemblies attached to Frankfurt. Dans notre logo, c'est God feiern, donc célébrer Dieu. Sorry. Je suis en train de décrire ce qu'on a. Donc parce qu'on appelle ça Lobpreis Arena, ça veut dire praise arena. Voici, nous avons ici. La reine de louange. De gloire, oui. De louange, oui. Ouais. C'est ça. Donc, the praise arena. Exactly. Yeah. So, God feiern, ça veut dire célébrer Dieu. Célébrer Dieu. This one means praise God. Lobpreis erleben, ça veut dire vivre la louange. That is experiencing praise. On partage la joie, die Freude. We share in joy. On partage la paix, Friede. We share in peace. On partage l'amour, Liebe. We share in love. Et mère. Il y a toujours la nourriture. That's so. Donc. Sorry. Il y a toujours la It's nourriture. Always food. J'ai une slide qui a disparu, c'est pas grave. La slide qui venait après, c'était les photos des Lobpreis Arena qu'on a organisées déjà dans la ville de Fulda et dans la ville de Essen. The picture that was supposed to appear is the Praise Arena that we held in the cities of Essen and Fulda. Fulda, yeah. Et on a véritablement des jeunes qui ont cru, qui ont donné leur vie au Seigneur pendant ces concerts and et qui sont ajoutés à l'église. We have youth who believe during those concerts and who are in the church. Ils sont en train d'être faits disciples, donc on est passé de l'étape de gathering, rassembler les pierres. So they are being made into disciples of the Lord Jesus Christ. D'autres activités qu'on organise, il y a le camp des jeunes. On the other activities that we organize, we have youth camps. Bon, le prochain camp en date, c'est celui qui aura lieu en Belgique, en coopération avec la Belgique, la France et l'Angleterre. The next youth camp that we're going to will be held in Belgium, and it will be organized by the brethren from Belgium, France and Germany. In London, England, parce que Pasteur Philippe qui va prêcher là-bas. And Pastor Philip is going to preach there. On a aussi un nombre de retraites spirituelles qu'on organise assez régulièrement, 3 par an au moins. We also organize spiritual retreats thrice per year. De 3 à 4 jours environ. 3 to 4 day retreat. Et on a de plus en plus de jeunes. And we have more and more youth qui viennent à la formation missionnaire à Paris chaque mois. Who come to Paris for a missionary convention every month. Quand on commençait à aller à Paris, on était à peu près 3. When we started going to Paris, we were about 3 of Après us. Après 5. After that, we moved to 5. Le pasteur nous encourageait à faire les permis. And the pastor encouraged us. Donc, moi j'ai eu mon permis. Beaucoup de frères ont eu leur permis. I had my license, my driving license. Donc, on avait plus de chauffeurs et la dernière délégation qui était à Paris. Drivers. And the last delegation that went to Paris était 25. To Paris, we were 25. Yeah. Je conduis à les minibus, donc ça va augmenter. Since I'm not able to drive a bus, the number will increase. Gloire à Dieu. Amen. Le grand projet sur lequel les jeunes en Allemagne sont en train de travailler, c'est un magazine de jeunes. Ça s'appelle Youth Challenge. Another project on which the youth are working in Germany is this magazine. It is called Youth Magazine.
L'éditorial a été écrit par le... Youth Challenge, please. Youth Challenge. L'édito a été fait par le frère Jojo. The editorial page was written by Brother Jojo. Et c'est un magazine chrétien pour les jeunes d'entre 11 et 35 ans. It's a Christian magazine for youth aged between 11 and 35 years. Donc ça s'intéresse à toutes les questions que se posent les jeunes adultes dès l'adolescence, par exemple. It addresses all the various spectrum, the questions that the youth face. Et on essaie de solutionner leurs problèmes à la lumière de la parole de Dieu. We try to bring our, to give them solution in the light of the word of God. Donc on a par exemple le choix des compagnies. We have for example the choice of friends. Bon, yes. la gestion de la naissance des sentiments amoureux. How to handle emotional relationships. Bref, bon, aussi les questions sur la foi et consorts. There are also issues of faith and so on. Maintenant, les autres activités qui sont menées, c'est la distribution des traités d'évangélisation. And the other activities concern the distribution of tracts and other literature. La distribution des invitations, par exemple, comme ici aux études bibliques, au passage à l'université. We also give out invitation handouts, handbills to invite people for concerts and things like that. Une autre salle a disparu. Boniface. Frère Boniface, je ne vois pas mes slides, pardon. Il faut venir. Mes slides ont disparu. Klein moment, bitte. Un instant, s'il vous plaît. C'est la clé USB a malheureusement bougé un peu. Donc... Pas si vite, pas si vite. Ah tiens, j'ai retrouvé les autres slides. Gloire à Dieu. Donc ça, ce sont les conseils qui ont déjà eu lieu. These are the concerts that have already been that already took place. Donc ça, ce sont aussi les flyers d'invitation au culte du dimanche. These are invitation handbills for people to come to attend our church services on Sundays. Et nos tracts qui sont déjà traduits en langue allemande par l'équipe de traduction en allemand. Also, we've translated our tracts into German. Ok. L'œuvre, pour le cas spécial de Dresden où je suis, l'œuvre a commencé le 22 mars 2013. We started the work in Dresden precisely on the 22nd of March 2013. Oui. On a commencé à deux. Where to? Moi et une amie. A friend and I. Et nous sommes aujourd'hui 15 disciples avec deux enfants. And today we are 15 disciples with two children. Dresden, c'est dans cet état et ça se trouve là. Dresden is in this state and it is found there. Les activités que nous avons en tant que église de maison. The activities that we carry out in our house church. Bon, on a déjà organisé un pique-nique d'évangélisation. We have already organized an evangelistic picnic. Deux campagnes d'évangélisation sous forme d'anniversaire, en fait. Two evangelistic crusades. We did two evangelistic birthdays. Oui, donc où une personne qui a son anniversaire invite les gens, ses amis, et puis le pasteur vient y prêche, et puis. So we had two evangelistic birthdays. That somebody was having his birthday, and then we took the opportunity to invite friends and preach to them. Donc on a la distribution de traités, de livres. We distributed tracts and books. Et bon, la méthode qui jusqu'à présent a été implémentée, c'était the method that has been used up to now. C'était le friendship evangelization. It's friendship evangelization. Donc, au moins de les gens qu'on rencontre, on crée des amitiés, on leur prêche l'évangile. C'est comme ça que progressivement ils nous rejoignent dans l'aventure. That is, we make friends with people we meet, and then gradually we preach the gospel to them. Et ce qui marche et qui continue de marcher, c'est quand on fait à manger. And what works, what has worked.
and that continues to work is when we give, we eat with them. Yeah. Donc les perspectives ou bien les prochains projets qu'on a. So the projects that we have. Parce que le Seigneur nous a bénis avec une salle maintenant. On ne se réunit plus dans les chambres d'étudiants. And now we no longer meet in students' rooms. We now have a hall. J'ai déjà dans la vidéothèque de l'église plusieurs films chrétiens et on veut organiser des popcorn kino abend. We already have the videotheque of the church. We have a number of CDs, DVDs. Yeah. And we are going to organize a popcorn evening movies. Movies, yeah. Dans les films qui sont disponibles, c'est la, en général les films de Frank Hendricks. Je pense que c'est assez populaire. So these are the films available. Yeah. Mais comme sur la table des livres, j'ai vu il y a énormément de films et de films d'évangélisation. Donc je vais me rassurer d'en ramener tous. Now, since there are many, I've discovered that there are many evangelistic video material. Video materials. Yeah, I'll make sure I go back with much. Pour augmenter ma vidéothèque. To add to our videotape. Donc les difficultés qu'on rencontre en Allemagne. The challenges that we face in Germany. C'est d'abord un problème de langue. The first problem is language problem. Les jeunes, je ne veux pas dire camerounais, africains de l'église ne veulent pas lire la Bible en allemand. The African youth that are in the church, they don't want to read the Bible in Germany. Donc ils se sentent plus confortables dans la langue de prédilection, donc soit le français, soit l'anglais. They feel more comfortable in their Bible, English Bibles or French, depending on their background. Et ça rend juste le travail difficile parce que quand tu es en face d'un Allemand, tu n'as juste pas les mots qu'il faut. And that makes it difficult, especially when you encounter a German and you want to present the gospel to them. It becomes difficult. Le deuxième problème qu'on a, c'est les finances des frères. The second problem we're facing is a financial problem. Comme on a vu, l'église est constituée en majorité des étudiants. As I said, the church is mainly made up of students. Donc, ils doivent souvent voyager pour aller travailler dans d'autres villes. They have to travel from time to time to go. Ils doivent jobber pendant les études et. They have to do one or two things to earn a living. To et ça diminue something. Le temps de qu'on pourrait investir dans les choses du royaume. Ça diminue le temps qu'on pourrait investir dans les choses du royaume. Yeah, which makes it difficult because it takes them, they invest so much time that they don't have enough time to work for God. L'autre problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'y a pas de mariage. Another problem is marriage. On a besoin de mariage pour stabiliser l'église et pour avoir les couples missionnaires. We need marriages to stabilize the church, the work. L'autre problème également, c'est le manque de volonté d'intégration, aussi lié au problème de langue. Another problem is difficulty in integrating the society because of language barrier. Ce qui rend nos églises en Allemagne très noires. Which makes our church population be mostly African, black people, made up of black people. Oui. Et puis on a un problème de distance parce que comme les assemblées sont éparpillées. And we also have distance problem, that is the various assemblies are scattered. Et on a que 5 grands pasteurs. We only have 5 main pastors. Ça fait que l'église est très téléphonique. L'église est très téléphonique. The church is functions mostly with phone. That's you have to donc call. Donc on a les réunions de prière, les gens de Dresden doivent se joindre par conférence à Francfort. So that when we want to hold prayer meetings, for example, you have to do it via the phone. Oui, parce que c'est 6 heures de route en voiture. Because if you have to meet on one spot, we have to travel 6 hours at least. Yeah. Et le dernier problème, c'est la pénétration de l'est de l'Allemagne. And the last problem is how to penetrate the eastern Germany. Okay. Donc, les perspectives, et on en vient au sujet de prière, c'est concernant la pénétration des 6 états restants. And now, our prayer topics concern how to penetrate, the need to penetrate the remaining 6 states that have not yet been penetrated. On veut renforcer l'occupation de l'est de l'Allemagne. We want to strengthen the occupation of the western part of Germany. Multiplier les campagnes et les concerts d'évangélisation. Multiply evangelistic outreaches and concerts.
et pousser les jeunes à sortir. And then encourage the youth to go out. Merci. Donc, je vais distribuer les sujets de prière. So I'm going to share the prayer topics. Donc, j'aimerais que de ce côté, on prie pour supplier le Seigneur de nous permettre de pénétrer rapidement, d'implanter nos assemblées dans les 6 états qui restent. I would like us here to beg the Lord to enable us to rapidly penetrate the remaining 6 states and plant our churches, our assemblies there. Amen. Cette rangée, j'aimerais s'il vous plaît qu'on prie que le Seigneur nous accorde d'être consacrés. I would like us to beg the Lord to enable us to be consecrated. Cette rangée, j'aimerais que that was that row. And this here, qu'on prie pour que le Seigneur accorde aux jeunes de se saisir de la vision. I want us to pray that the Lord will enable the youth to lay hold of the vision. Cette rangée, j'aimerais s'il vous plaît supplier que le Seigneur. And there I want to beg you to pray that. Le Seigneur bénisse les finances des jeunes en Allemagne. That the Lord will bless the finances of the brethren. Et la dernière rangée. And there. C'est de prier que le Seigneur permette que pour les années à venir, il puisse avoir de plus grandes délégations venant de l'Allemagne de jeunes. And that the Lord pray that the Lord will grant more and more people to come to come from Germany in so forthcoming camps. Yeah. Okay, pray ensemble. Thank you. Amen. Amen. Danke sehr. Merci infiniment. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Somos la delegación de la Guinée équatoriale. Nous sommes la délégation de la Guinée équatoriale. Yo me llamo Ramón Ndongmiko. Moi je m'appelle Ramón Ndongmiko. Et moi Salvador Ondo Ngomo. They have just introduced themselves. Nosotros venimos a presentar a un país tan pequeño como Guinea Ecuatorial. Nous venons présenter un pays très petit démographiquement comme Guinée équatoriale. Un país que muchos de ustedes no conocen. We are presenting to you a small country. Un país que muchos de ustedes no conocen. Un pays que certains de vous ne connaissent pas. Un país de 1 million de habitantes. A country that is not known by all of you. Un país de 1 million de habitantes. Un pays d'1 million d'habitants. A country with 1 million inhabitants. Es un privilegio. C'est un privilège. It's a privilege. De poder diriger un estrado como este. De pouvoir diriger à tel nombre de personnes. Tel nombre de personnes. Un estrado como esta gente. Un privilège. Un privilège. It's a privilege to lead so many people. Cuando ayer tarde estaba hablando el hermano Jojo. Jojo. Quand hier soir le frère Jojo a parlé. When Brother Jojo spoke yesterday evening. Hablando de venir a hacer una presentación del Ministerio de Jóvenes. En disant que on devait faire une présentation du ministère des jeunes. And saying that we had to do a presentation of the youth ministry.
En principio debo decirles que no por la presentación del ministro de jóvenes de Guinée Équatoriale. D'abord, je dois vous dire que je ne peux pas présenter le ministère des jeunes en Guinée équatoriale. I cannot represent the youth in the youth ministry in Guinée, in Equatorial Guinea. ¿Por qué? Porque el último campo hubo una delegación que trajo los jóvenes de Guinée Équatoriale en representación de un pastor. Pourquoi? Parce que le dernier camp des jeunes a été présenté par la délégation de Guinée Équatoriale chez le ministère des jeunes. De Starac. Le dernier camp de jeunes a été présenté par la délégation de Guinée Équatoriale pour le ministère des jeunes. Ok, because last youth camp was represented by the youth ministry in Equatorial Guinea. Pero como ya volvieron, ils sont rentrés. When they came back, nosotros hemos venido para asistir por primera vez en Koumé. On est venu pour assister au ça c'est notre première fois à Koumé. So this is my first time in Koumé. Al campo Koumé 2016. Sur le camp Koumé 2016. And it's the 2016 Koumé camp 2016. Estamos contentos de estar aquí. Nous sommes heureux d'être ici. We are happy to be here. Y estamos contentos de pertenecer a esta gran comunidad cristiana misionera internacional. Et nous sommes heureux membres. Et nous sommes heureux d'être membres de la CMCI internationale. And we are happy to be members of the Christian Missionary Fellowship International. Por parte de la iglesia local en Guinea Ecuatorial. De la part de l'église locale en Guinée Équatoriale. On behalf of the church in Equatorial Guinea. Tampoco tengo mucho que decir. Je n'ai rien à dire. I have nothing to say. Pero solo he venido para poder vivir de cerca y vivir en in situ todo lo que estamos viendo desde hace 7 días atrás. Nous sommes venus ici pour vivre en direct la réalité de notre ministère depuis qu'on est venu ça fait 7 jours. We have come to live out the reality of our ministry. Y todo lo que hemos visto y hemos aprendido es motivo suficiente para ir a practicar y ponerlo en práctica en el país cuando volvamos. Et tout ce qu'on a déjà appris, c'est des motifs pour préparer et aller enseigner au pays et mettre l'enseignement en pratique. And what we have learned is to help us prepare ourselves to go and teach our brethren back and see how we can both put it into practice. Posiblemente para el próximo campo. Je vais dire au prochain camp. During the next camp, tendremos que dar un informe exhaustivo de todo lo que hemos ido a poner en práctica. On va donner un compte rendu de ce qu'on apprend maintenant pour le prochain camp. We'll give you an account of what, how we have put what we have learned now in practice. Amen. 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 Lo que debo pedir, ce que je dois demander, and what I can ask, es que nos pongan en oración, que la CMCI se met en prière, is that the CMCI Equatorial, pour la Guinée équatoriale, is that we should pray for Equatorial Guinea, para que esta visión, afin que cette vision, so that vision, vision tenga éxito en Guinée Équatoriale, et prospère en Guinée équatoriale. Et le succès en Guinée équatoriale. Should prosper or we should lay hold on the vision in Equatorial Guinea. Porque yo sé que el Señor tiene grandes cosas para hacer en Guinée équatoriale. Je sais que le Seigneur a préparé beaucoup de choses pour faire en Guinée équatoriale. I know that the Lord has prepared a lot to do in Equatorial Guinea. Una de las dificultades que tenemos que puedo presentarles a ustedes. Une des difficultés que nous avons, que je dois vous présenter. One of our challenges in Equatorial Guinea. Es que Guinea Ecuatorial es un país de 1 millón de habitantes, como les he dicho. Guinea Ecuatorial c'est un pays de 1 millón de habitantes. Is that Equatorial Guinea is? Is that Equatorial Guinea has 1 million people? En toda África es el único país que habla español. En toute Afrique, c'est le seul pays qui parle l'espagnol. In the whole of Africa, it's the only nation that speaks Spanish. Y tenemos dificultad de lenguaje en el país con respecto
a todos los tratados, los libros que se está levantando aquí para poder llevarlos a la evangelización. Y nous avons des difficultés pour les livres, pour le traduire en espagnol. And we have difficulties in translating the books into Spanish. Pedimos una oración ferviente. Nous demandons une prière. So we are asking you to pray. Para que dentro del programa de la Comunidad Cristiana Misionera Internacional en Cuartel General. Parce que, afin que dans le programme de le quartier général de CMCI. So that in the program of the headquarters of CMFI. Pueden incluir la interpretación de los libros y tratados en español. Ils peuvent introduire la traducción de libros en español. We should introduce the translation of our literature into Spanish. Amen. 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 Lo último que tengo que decir. La dernière chose à dire. Yo quiero someter tres sujetos de oración para que oren. The last thing I'd like to say. Je vais présenter trois sujets de prière. I'd like to give you three prayer topics. Yo quiero que oren por mí por esta parte. Je veux qu'on prie pour nous, ce côté. I like this side to pray. Que la visión que estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Que la visión que nous sommes en train d'apprendre. That the vision that we are learning. Que Guinea Ecuatorial sea parte activa de esta visión. Que la Guinea Ecuatorial forme part de cette vision. That Equatorial Guinea will be part of this vision. Que Dios levante gentes. Que Dieu lève des gens. Que choisisse des gens. That God will raise people. En Guinea Ecuatorial que pueden comprender la visión, que pueden interpretarla y que pueden aplicarla de una manera exhaustiva. Des gens qui peuvent comprendre la vision, la mettre en pratique. People who can understand the vision, interpret it and put it into practice. Por esta parte. À ce côté, queremos que Dios levante hombres y mujeres. Nous voulons que Dieu suscite des hommes, des jeunes. That God should raise men, youths, inteligentes, intelligents, capacitados, prêts, intelligent and ready people, para poder trabajar, pour pouvoir travailler. À travers la vision. Who can work for the vision? Y por esta parte. Et pour ce côté. And for this side. Y durante la enseñanza que hemos recibido aquí. Pendant l'enseignement qu'on reçoit ici. That as we receive the teaching here. Y sobre la presentación que se hizo anoche. Et sur la presentación qu'on a fait la nuit. And this night presentation. A mí me ha tocado mucho. Ça m'a touché vraiment. I've been really touched. Acerca del proyecto que Dios tiene para este lugar. À propos de but que Dieu a préparé pour chacun. And about the goal that God has prepared for each one. Como lo ha dicho el hermano Teodoro. Comme le frère Teodoro l'a dit. As Brother Teodoro said. Que no es un trabajo de una sola persona. C'est pas un travail d'une seule personne. It's not a work of just one person. Es para todos porque el cuartel general de la Comunidad Cristiana Misionera Internacional pertenece a todos los miembros de la Comunidad Cristiana Misionera Internacional en todos los países. Que el cuartel general, sur le camp général, es un cuartel que pertenece para todos los miembros de la Comunidad Cristiana Misionera Internacional en todo el mundo entero. C'est un camp qui appartient à tous les membres de la CMCI. That the headquarters belongs to every member of the CMFI. Entonces me tengo que entrar a mi país. Pour cela, je dois rentrer au pays. For that, I'll have to go back to my country. Con esta carga en mi corazón. Avec ce fardeau dans mon cœur. With this burden in my heart. Para que podamos aportar a un granito de arena para contribuir. Pour este gran proyecto. Pour donner la contribution de ce projet. To work and bring in my contribution for the construction of the headquarters. Entonces, yo pido una oración por esta parte. Je demande une prière pour ce côté. And I would like you to pray for that. Para que esta carga que tenemos, afin que ce fardeau qu'on a pris. That is burden. Y que lo llevamos a Guinea Ecuatorial. Qu'on va amener à Guinée Équatoriale. That I'll take back to Equatorial Guinea. Dios levante gentes. Dieu suscite des gens.
That God will raise people. Que apoyar este proyecto. Qui veulent appuyer ce projet, ce but. Who will help accomplish this on va prier goal of contribution. Let's pray. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta noche. Para gracias por tu amor, Señor. Gracias por este privilegio, oh Dios, que tú me brindas, oh Dios, poder, Señor. Padre, estar aquí presente delante de este gran pueblo. Padre, estoy orando por los chuetos de oración que hemos dirigido a ti, que tú tomes control, Señor. Para que tú operes y que tú, oh Dios, respondas, Señor, inmediatamente a todo lo que nosotros te estamos pidiendo. Padre, yo te lo suplico porque yo sé que tú lo vas a hacer. Y tú lo vas a hacer por si has comenzado, oh Dios, tú vas a terminar todo lo que comenzaste. Te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. The Gambia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. My name is Bibotan Zima Anne. Tel est son nom. I'm from the Gambia. Je viens de la Gambie. And I have a report to present on the youth ministry in the Gambia. J'ai un rapport à vous présenter au sujet du ministère des jeunes en Gambie. The leader of the youth ministry in Gambia is called Simon Peter Gomez. Le dirigeant des jeunes au ministère, le dirigeant du ministère des jeunes en Gambie s'appelle Simon Pierre Gomez. So I'm just here to represent him. Donc je suis juste là en tant que sa représentante. And to read the letter he wrote. Et vous donner lecture de la lettre qu'il a envoyée. And the youth ministry in the Gambia started in on the 15th of June. 2011. Le ministère des jeunes en Gambie a commencé le 15 juin 2011. And our goal is to be 2,000 youths by 2065. Et notre but est d'atteindre 2,000 jeunes à l'horizon 2065. And presently, we are 20 youths in the ministry. En ce moment, nous comptons 20 jeunes dans le ministère. And our goal for this year is to be 50. Et notre objectif pour cette année, c'est d'atteindre 50. So the youth have been committed in obedience to the Santa Cruz prophecy. Dont les jeunes sont engagés à obéir à la prophétie de Santa Cruz. When we left here last year after the camp. L'année dernière, lorsque nous sommes partis d'ici après le camp. We went there and explained to them the things that happened here. Nous sommes allés leur rendre compte des choses qui sont produites ici. And what touched us. Et ce qui nous a marqués. So we started working on the Santa Cruz prophecy. Donc nous avons commencé à travailler sur la prophétie de Santa Cruz. And we started evangelizing, going out. Nous avons commencé à faire des sorties d'évangélisation. On the 31st of December 2005. Le 31 décembre 2015. Le 31 décembre 2015. We had an evangelistic campaign, the Crossover Night.
Nous avons eu une campagne d'évangélisation la nuit de la traversée. Where each and every youth had to endeavor to invite unbelievers so that we celebrate with them and eat with them. Au cours de cette nuit, chaque jeune avait l'obligation d'inviter ses amis pour que nous puissions passer la nuit ensemble et nous réjouir avec eux. And at the end, we preached the gospel to them. À la fin, nous leur avons prêché l'évangile. And about 20 unbelievers came, and all of them were Muslims. Et environ 20 non-croyants sont venus et ils étaient pour la plupart, ou sinon tous, des musulmans. So, because of the feasting season in January, et à cause de la saison de célébration qu'est janvier, we decided to have a beach outreach to reach out to the youth. Nous avons décidé d'avoir une sortie d'évangélisation pour atteindre les jeunes. So in that outreach, we went to the beach and preached the gospel one and one to those we met. Et dans au cours de cette période, nous sommes allés à la plage prêcher l'évangile, rencontrant les gens un à un. And we also shared tracts. Nous avons aussi distribué des traités. And those that came around us, we shared the food that we were having with them. Et ceux qui nous ont rejoints, nous avons partagé notre nourriture avec eux. So, some of the other programs we also have, we do have annually a youth week, a week that we dedicate just for the youth. Comme autre activité, nous avons également une semaine annuelle que pendant laquelle nous dédicassons notre ministère des jeunes. Yeah, and each and every day we have a specific thing we do. Et chaque fois, nous avons quelque chose de spécifique à faire. So we took that week for evangelism. Donc, nous avons consacré cette semaine à l'évangélisation. And during that, we preached to 303 people. Et au cours de cette semaine, nous avons prêché à 303 personnes. Because we are going out in the streets and in houses and in compounds preaching to people. Parce que nous sortions, nous allions vers les maisons, les concessions, les rues, prêchant aux personnes. So 303 people heard the gospel. Donc 303 personnes ont entendu l'évangile. And 14 people were led to the Lord. Et 14 personnes ont été conduites au Seigneur. And two of them are in the church at the moment. Et deux de ces personnes sont en ce moment à l'église. So during that youth week, we had a marriage seminar. Donc pendant cette semaine de la jeunesse, nous avons eu un mariage, un séminaire sur le mariage. So we invited youth from different other ministries. Donc nous avons invité des jeunes d'autres ministères. And some other youths of CMFI online participated. Et d'autres jeunes de la CMCI ont pris part en ligne. So apart from that, every month we dedicate a special week. Though we go out in our individual ways to preach the gospel, we have a week in every month that we dedicate it to go out from Monday to Sunday. Donc hormis cela, tous les mois, nous avons une semaine que nous consacrons pour l'évangélisation. Nous sortons de lundi à dimanche, prêcher l'évangile. So we go out, preach the gospel in different places. Donc we nous sortons, ourselves. Prêcher l'évangile dans d'autres endroits. Nous nous divisons. And about 98% of the youth in the church in Gambia were committed to it. Et environ 98% des jeunes en Gambie étaient engagés à cette œuvre. And even though the country is about 95% of Muslim, et bien que le pays soit en majorité constitué d'environ 95% de musulmans, we have been able to preach the gospel. Nous avons été à même de prêcher l'évangile. And the difficulties we are encountering now is that les difficultés que nous rencontrons en ce moment sont les suivantes. Some few months ago, il y a déjà quelques mois, the president declared the state an Islamic state. Le président a déclaré l'État islamique. And that is making things a little bit difficult for us. Et cela nous rend la tâche très difficile. And some people are already being trained for Sharia law. Certaines personnes sont déjà en train d'être formées pour appliquer la Sharia. Before they Sharia. Even ask all of us to veil ourselves when you're going to work. Avant cela, on nous a demandé tous de nous voiler lorsqu'on va au travail.
But as the church pray, God intervened and that one was removed. Mais avec les prières des frères, Dieu est intervenu et cette loi a été ôtée. Bobias. But we are still intervening and begging God to really make a miracle so that the declaration that the president made the Gambia an Islamic state will be cancelled. Mais nous continuons à intercéder, suppliant le Seigneur d'annuler cette déclaration du président selon laquelle la Gambie est un État islamique. And because of that, this year has been a little bit tough. À cause de cela, cette année, nous avons vraiment eu du fil à retordre. Because before the youth were open, when you're preaching to them, they will listen. Parce qu'avant, les jeunes étaient ouverts, lorsqu'on leur prêchait l'évangile, ils étaient ouverts, ils écoutaient. But now they are very violent. Maintenant, ils sont très violents. There are many cases that we went and at the end of the day, we are just praying for God to preserve us. Il y avait des fois et à maintes occasions, nous sommes sortis prêcher l'évangile et en fin de compte, on priait juste que le Seigneur nous protège. So those are the challenges we are facing. C'est autant de défis que nous rencontrons. And the youth are committed to the Santa Cruz prophecy. Les jeunes sont engagés à la prophétie de Santa Cruz. Because while we're here, we receive some good news that there are many other youths that gave their life to Jesus. Parce que lorsque nous sommes ici, étant ici, nous avons reçu la nouvelle selon laquelle plusieurs jeunes ont donné leur vie au Seigneur. And there are some youths in the church that they said they believe, but they were not really committed. Et il y avait certains jeunes à l'église qui ont dit qu'ils avaient cru, mais ils n'étaient vraiment pas engagés. But I think few, like 2 weeks back, most of them really gave their life to Jesus and publicly confessed their sins. Mais il y a de cela 2 semaines, la plupart de ces jeunes ont donné leur vie au Seigneur publiquement et ont confessé leurs péchés. So, in contribution to the student and the youth camp, en contribution au camp des jeunes et des étudiants, the youth in the Gambia fasted from 3 to 7 days as a contribution for the success of this camp. Les jeunes de la Gambie ont jeûné de 3 à 7 jours comme contribution à l'organisation du camp. So that is the report from Simon Peter Gomez. Tel est le rapport présenté par le frère Simon Peter Gomez. So now the prayer topics. À présent les sujets de prière. So the first prayer topic I want us to pray. Le premier sujet de prière que j'aimerais donner. I want us to pray that the Lord will intervene so that the declaration of the Gambia as an Islamic state will be cancelled. J'aimerais qu'on prie que le Seigneur intervienne à tel enseigne que la déclaration faite par le président selon laquelle la Gambie est un État islamique soit annulée. So this side we pray for it. Dans ce côté, vous allez prier comme cela. So the this side, ce côté, cette rangée, we pray that the youth of the Gambia will be committed the more to go out and preach the gospel in obedience to the Santa Cruz, despite the situation in the country. Vous allez prier que les jeunes en Gambie soient plus que jamais engagés à sortir prêcher l'évangile malgré la situation qui prévaut en ce moment dans le pays. So this side, et ce côté, pray that the Lord would open more doors for us, so that the Malsi will come to know Jesus and abide in the church. Priez que plusieurs personnes viennent à la connaissance du Seigneur Jésus et qu'il y ait des repentances massives qui vont demeurer à l'église. Let us pray. Prions. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You have greetings from the youth in Gambia. Recevez les salutations des jeunes en Gambie. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We are going into proclamations now. Nous allons en ce moment faire des proclamations. We will proclaim. Nous allons proclamer
that the prince of Malsi has been overthrown in Gambia. Que le prince de Malsi a été renversé en Gambie. And Jesus Christ is Lord of Gambia. Et que Jésus Christ est Seigneur en Gambie. We are going to proclaim 7 times. Nous allons proclamer cela 7 fois. We will all stand. Nous allons tous nous lever. So let's start number 1. We proclaim. Nous proclamons. That the prince of Malsi has been overthrown over Gambia. Malsi a été renversé. And Jesus Christ is Lord of Gambia. Et Jésus Christ est Seigneur de la Gambie. Au nom. Amen. 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 Number two. Please listen. Écoutez. Listen. Écoutez. Let's get the message first. Écoutons d'abord. The message is. Le message est. We proclaim, nous proclamons, that the prince of Malsi, que le prince de Malsi, has been overthrown, a été renversé, in Gambia, en Gambie, and Jesus Christ is Lord of Gambia, et Jésus Christ est Seigneur de la Gambie, and then we will all say amen, et nous allons tous dire amen, and we have to pray for one another to hear so that we know that we have proclaimed 7 times, et nous devons prier pour que les uns les autres entendent, so we are et going que nous sachions start, que nous prier 7 fois, we'll start all over again, donc nous allons reprendre. When I say we proclaim, everybody will say we proclaim. Lorsque je vais dire nous proclamons, tout le monde va dire nous proclamons. So that we can pray in unity. Pour que nous puissions prier en unité. We proclaim. Nous proclamons. That the prince of Malsi. Que le prince de Malsi. Has been overthrown. A été renversé. In Gambia. En Gambie. And Jesus Christ is Lord of Gambia. Et Jésus Christ est Seigneur de la Gambie. Amen. Amen. We proclaim. Nous proclamons. That the prince of Malsi. Que le prince de Malsi. Has been overthrown. A été renversé. In Gambia. En Gambie. And Jesus Christ is Lord of Gambia. Et Jésus Christ est Seigneur de la Gambie. Amen. Amen. We proclaim. Nous proclamons. That the prince of Malsi. Que le prince de Malsi. Has been overthrown. A été renversé. In Gambia. En Gambie. And Jesus Christ is Lord of Gambia. Jésus Christ est Seigneur de la Gambie. Amen. Amen. We proclaim. Nous proclamons. That the prince of Malsi. Que le prince de Malsi. Has been overthrown in Gambia. A été renversé en Gambie. And Jesus Christ is Lord of Gambia. Et Jésus Christ est Seigneur de la Gambie. Amen. Amen. We proclaim. Nous proclamons. That the prince of Malsi. Que le prince de Malsi. Has been overthrown. A été renversé. In Gambia. En Gambie. And Jesus Christ is Lord of Gambia. Et Jésus Christ est Seigneur de la Gambie. Amen. Amen. We proclaim. Nous proclamons. That the prince of Malsi. Que le prince de Malsi. Has been overthrown. A été renversé. In Gambia. En Gambie. And Jesus Christ is Lord of Gambia. Et Jésus Christ est Seigneur de la Gambie. Amen. Amen. We proclaim. Nous proclamons. That the prince of Malsi. Que le prince de Malsi. Has been overthrown. A été renversé. In Gambia. En Gambie. And Jesus Christ is Lord of Et Gambia. Et Jésus Christ est Seigneur de Gambie. Amen. 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 Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je m'appelle Christelle Yagan. I am called Christelle Yagan. Je suis disciple de Maman Rose Atanga. I am Mama Rose Atanga's disciple. Je viens de l'Espagne. I'm coming from Spain. Mon témoignage sera un peu différent. Ma présentation sera différente des autres. My presentation will be different from the others. Je fais dans la traduction de nos livres et traités en espagnol. I am one of the translators of our books into Spanish.
Jusqu'ici, nous avons environ 4 traités qui ont déjà été traduits. We already have about 4 tracts that have been already translated. 4. Yeah, we already have about 4 tracts that have. Okay, 4 of our tracts have already been translated. Thank you. Il y a Dieu, le sexe et toi. We have God, sex and you. Où passeras-tu l'éternité? Where will you spend eternity? Trop tard. Too late. L'amour et le pardon de Dieu t'aime, pardon. God loves you. Et actuellement, nous sommes sur la correction du livre Le Chemin de la Vie. We are actually correcting the translation of the book The Way of Life. Ça, c'est un livre qui a été traduit par les frères de l'Amérique latine. This one was translated by the brethren from Latin America. Et du coup, comme nous savons tous, l'espagnol parlé en Amérique latine est différent de l'espagnol parlé en Espagne. And we all know that the Spanish spoken in Latin America is different from the Spanish in Spain. Donc ce qui fait qu'il faut adapter ce livre à l'espagnol parlé en Espagne. So we have to recorrect this book and bring it to the real Spanish spoken in Spain. Et en même temps, at the same time, je suis aussi en train de traduire le chemin de la prière victorieuse. I'm also translating the way of victorious praying. Non, pardon, c'est plutôt rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Rather, it's a daily dynamic encounters with God. Parce que c'est un livre qui répond aux besoins des Espagnols. Because it's a book that meets the needs or answers the daily needs of the Spanish people. Puisqu'en Espagne, les gens ne savent pas méditer. Since in Spain, people don't know how to have daily dynamic encounters. Pour eux, la méditation, c'est ce que l'autre a fait et on essaye d'utiliser ça pour que Dieu nous parle. Pour eux, la méditation, c'est ce qu'une autre personne a fait. Okay, for them, meditation is something that another person has done. Et puis, ils utilisent ça pour que Dieu leur parle. So they use it to have God speak to them through it. Donc, ils ne savent pas méditer. So they don't know how to meditate. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de traduire ce livre. So that's why we decided to translate this book. Bon, je vais passer un témoignage de guérison. Ça, c'était juste l'introduction. This was just the introduction. Il y a plusieurs qui m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai coupé les cheveux. Many asked me why I had to shave my hair or have my hair cut. Bon, et puis je disais, soyez patients, vous allez écouter le témoignage. And I asked them to be patient, they will listen to the testimony. Enfin, il y a environ 7 mois. 7 months ago. On m'a diagnostiqué un cancer à l'estomac. I was diagnosed as having a cancer in my stomach. Au départ, j'avais très mal au ventre. J'avais toujours mal au ventre. In the beginning, I felt a lot of pains in my stomach. Chaque fois que j'allais à l'hôpital, I went to the hospital often, or each time I went to the hospital. On faisait des examens, on ne trouvait rien. I ran tests and nothing was found. C'était un peu comme quelque chose de, je ne sais pas si c'est spirituel, Dieu seul sait. It looked like something mysterious. Parce que j'avais toujours mal, mais on faisait des examens, on ne trouvait rien du tout. Because I kept on feeling pains, and when they ran tests, nothing was found. J'ai l'une de mes mamans en Espagne, nous avons commencé à prier sérieusement. One of my moms in Spain and I began to pray seriously about it. Pour que le Seigneur expose exactement ce qui n'allait pas. For the Lord to reveal exactly what was going wrong. Et après peut-être 2 mois de prière. After about 2 months of prayer. Et de jeûne. And fasting too. Pour finir, je suis allé à l'hôpital. I ended up going to the hospital. On a fait des examens. Ran some tests. On a découvert que j'avais un cancer à l'estomac. And it was discovered that I had a cancer in my stomach. Au départ, le médecin utilisait un terme scientifique pour ne pas me faire peur. Il a appelé ça lymphome gastrique. In the beginning, the doctor used a certain scientific term not to scare me. Bon, avec le nom lymphome gastrique, puisque je savais pas au départ que c'était un cancer, moi ça ne m'a rien dit du tout. With the name, it was a gastric lymphoma, and I knew that it was a cancer, but it didn't mean anything to me. Mais quand le médecin a commencé à m'expliquer qu'effectivement il s'agit d'un cancer,
But when the doctors began to tell me really and plainly that it was a cancer, j'ai cru que c'était fini pour moi, parce que it was over for me. Comme nous savons tous en Afrique, cancer est synonyme de mort. And since we know in Africa, cancer is a synonym to death. Et la vérité, c'est que j'ai connu plusieurs personnes qui sont décédées du cancer. Ils ont pris le traitement de la chimio, ça n'a pas fonctionné. Donc, je savais que c'était la fin. And I know of many people who died of a cancer. After taking a lot of treatments, they still ended up dying. So for me, it was just the end. Donc, comme vous voyez sur la première photo. So as you see in the first picture of me. Ça, c'était quelques années avant la maladie. This was some years before I fell sick. Parce que quand le médecin avait découvert que j'avais un cancer, il fallait qu'on me soumette à un traitement de chimiothérapie. When the doctor discovered that I had cancer, I had to undergo a chemotherapeutic treatment. Au départ, je ne connaissais pas les effets de la chimiothérapie. In the beginning, I did not know the side effects of chemotherapy. Et du coup, ça ne me dérangeait pas du tout. So at that time, I wasn't disturbed. Mais quand le médecin m'a expliqué, il m'a fait comprendre que le traitement de la chimiothérapie fait tomber les cheveux, et puis il y a des effets secondaires aussi comme les vomissements, la fatigue, et puis ça changeait le teint, ça faisait noircir. Donc il y avait un tas d'effets secondaires. So later on, the doctor had to make me understand that the chemotherapy treatment will have side effects such as having my hair fall off, changing my skin color, dizziness and body weakness, and there were a lot of side effects. Et moi, ce qui me faisait le plus mal, c'était que j'allais perdre mes cheveux. And what pained me most was the fact that I had to lose my hair. Et dans cette étape-là, le Seigneur m'a fait voir que mes cheveux étaient devenus une idole pour moi. In that state, the Lord helped me to understand that my hair had become an idol to me. Mais avant ça, si on m'avait dit que mes cheveux étaient devenus une idole pour moi, je ne pouvais pas accepter. But before then, if I was told that my hair was an idol to me, I wouldn't accept. Donc il fallait que je passe par là pour que le Seigneur expose l'état de mon cœur. So I needed to pass through this sickness period for the Lord to expose my heart. Et surtout, comme vous voyez sur la photo, c'est tout le monde qui appréciait. Tu as de beaux cheveux et tout. Donc, and as you see in the picture, everyone appreciated my hair and praised me for having good hair. Et quand le médecin m'avait dit que je vais perdre les cheveux automatiquement, il n'y a pas de demi-mesure. So the doctor told me I was going to lose my hair and that there was no choice about that. J'ai dit au médecin, mais attends, tu peux pas chercher un autre traitement. Il n'y a que ça que tu peux me donner comme traitement. Je veux pas perdre mes cheveux. I asked the doctor if he can give me and prescribe another treatment for me. I can't stand the chance of losing my hair. Très fâché. I was so angered. Fâché contre le médecin. I was angry with the doctor. Fâché contre Dieu parce que je disais. Angry with God. Subitement, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais me retrouver sans cheveux. Et puis le Seigneur me faisait voir, oui, je vais déraciner cette idole de ton cœur. And I was asking myself, so I'm going to find myself without hair. And the Lord said, yes, you're going to definitely lose your hair. Et du coup, le médecin m'a dit, il n'y a pas un autre traitement, tu dois passer par... J'ai l'impression que le Seigneur avait utilisé le médecin pour signer sur ce traitement. Then the doctor told me there was no other way. I had to follow just that treatment. Parce qu'il fallait que cette idole sorte de mon cœur. I believe that God asked the doctor to stamp his foot on that treatment so that he can use that method to uproot the idol from my heart. À un moment donné, j'ai refusé le traitement. At one point in time, I refused to take the treatment. J'ai dit, je ne veux pas ce traitement si ça doit me faire tomber les cheveux. I said, I don't want this treatment if it's going to make my hair fall off. Il a fallu que maman mon faiseur de disciples me gronde pour que j'accepte ce traitement. My disciple maker had to scold me to follow this, to accept this treatment. Elle m'avait sérieusement grondé. She scolded me seriously. Pour finir, je me suis soumise au traitement. I finally yielded to undergo the treatment. Parce que le médecin avait décidé de me mettre 6 séances. So the doctor decided to put me on 6 treatment sessions. Jusqu'à 6 séances, même pas 3. I had 6 sessions of this treatment, not even 3. Puisqu'il n'y avait pas de choix, j'ai accepté. Since I had no other choice, I just accepted. Quand il a mis le premier traitement, when I went in for the first treatment, c'est un traitement horrible. Je sais pas comment expliquer. It's a horrible treatment. I can't explain it really. Bon, la photo là, c'est quand j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital et on a fait des examens. C'est pendant ce moment-là qu'on était en train de détecter. Ça, c'était le processus pour détecter ce que j'avais exactement au niveau de l'estomac.
This is when I was undergoing the period of tests to be able to know what was found and what I had in my stomach. Donc après ce traitement, après ces examens là, after these tests, j'ai commencé le traitement. I began the treatment. La première photo, the first picture, c'est là où j'étais à l'hôpital et on avait commencé avec le premier traitement dont les cheveux ne tombaient pas encore. Vous pouvez voir que là, I was still in the hospital and they just began the treatment, so my hair hadn't yet fallen off. Vous pouvez voir que là, j'avais encore les cheveux sur la tête. You can see that there I still had my hair on. Et la seconde photo, j'avais déjà pris environ 3 séances et comme j'avais vu comment les cheveux tombaient, j'étais très fâchée. J'ai pris les ciseaux moi-même et je les ai coupés. And the second picture is when I'd really gone through about 3 sessions of the treatment, and since I discovered that my hair started falling off, I became so angry and I had to shave the rest of my scissors. Ce n'était plus beau comme c'était avant. Because it wasn't as beautiful as it was le before. Le Seigneur avait commencé à déraciner. The Lord had begun to uproot. Là, vous pouvez voir avec ce traitement, j'étais fatiguée, je vomissais, je ne mangeais presque pas. In the third picture, you see me. I was tired. I used to vomit. I had no appetite. Et je ne pouvais même plus étudier parce que je suis en train de faire une thèse en langue et linguistique espagnole. And I could no longer study since I'm studying a master's, a PhD. I'm doing a thesis in linguistics. Mais le Seigneur était au contrôle. But the Lord was in control. Le Seigneur, il m'avait permis de trouver faveur aux yeux de mon encadreur, de telle sorte que je travaillais en mon rythme. The Lord granted me favor before my supervisor in such a way that I worked at my pace. Donc elle comprenait ce par quoi je passais. So she understood what I was going through. Après donc ces 6 séances de traitement, after the 6 sessions of treatment. Non, après 3 séances d'abord le médecin m'a envoyé faire un examen de contrôle. After the first 3, the doctor asked me to go do a control test. Le premier examen était sorti très bien. The first test went on well. I had good results. Et j'ai demandé au médecin s'il pouvait pas arrêter là. And I asked the doctor if he couldn't end there. Il m'a dit non. He said no. Il faut aller jusqu'au 6e traitement. You must take right to the 6th. À cause des effets secondaires que j'avais et tout ça, donc à un moment donné, je me suis encore révoltée contre le traitement parce que je ne parvenais plus à supporter. Because of the side effects, at one point in time, I decided to refuse to continue the treatment because parce I couldn't bear it any longer. Qui détruit les cellules et du coup, tu es anémié. Faut tout le temps prendre les poches de sang et tout pour remonter le malade. Because the treatment adequately kills your red blood cells and at some point in time, you become anemic and you have to take blood bags to be able to regain your vitality. Il a encore fallu que maman Rose intervienne. Gloire à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu vraiment pour elle. Mama Rose had to intervene again. I'm really grateful to God for her. Elle m'a encore grondé. She scolded me once more. Elle m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui meurent du cancer partout dans les hôpitaux qui ne parviennent même pas à prendre ces traitements. Told me that there are people who die of cancer every day in different hospitals who can't even afford this treatment. Qu'il fallait juste que je me soumette et que had to undergo the treatment. Et que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. So that the Lord will have his chance to do what he alone can do. Donc ce qui fait que j'ai accepté le traitement, j'ai accepté de terminer, prendre les 6 séances. So that pushed me to accept the treatment and I decided to take the après la 6e séance, sessions of treatment. After the 6th session of treatment, le médecin m'a envoyé faire un examen de contrôle général. The doctor asked me to go do a general control test. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais tellement peur parce que je ne connaissais pas les résultats. Je me disais, est-ce que ce traitement a vraiment fonctionné? When I got to the hospital, I was so scared because I wasn't too sure of the results. I was asking myself if the treatment worked. Celui qui m'avait fait l'examen, parce que normalement, il n'a pas le droit de me donner les résultats. Quand on me fait l'examen, on envoie les résultats à mon médecin. C'est le médecin qui doit m'expliquer, qui va me dire ce qui s'est passé. Normally, I don't have rights to the results in first place. When the results are out, they are sent to my doctor, who gives me the results later. Mais celui qui m'avait fait cet examen était tellement ému par les résultats qu'il n'a pas pu se retenir. But the one who ran the test was so happy with the results that he couldn't withhold himself. Il a juste crié, wow. He just exclaimed, wow. Est-ce que ce traitement, cet examen, c'est un examen avant ou après le traitement?
He was asking if there was a pre or post test result. Je lui ai dit après le traitement. And I told him it was after the treatment. C'est fini, tu es guéri, je sais pas comment ce qui s'est passé. Tu n'as plus de cellules cancéreuses dans l'organisme. I don't know how it happened. You no longer have cancerous cells in your body. Le Seigneur avait fini de faire son œuvre en moi. The Lord had finished doing his work in me. Quand je suis allé voir mon médecin pour qu'il me de l'examen. When I went to see my doctor to give me the test results. Je savais déjà. Already I knew. Juste entré à son bureau quand il m'a vu, il a juste crié. When I got into his office when he saw me, he immediately screamed. Il a juste dit, tu es l'une des patientes. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. He said you're one of those exceptional patients. Même une seule cellule cancéreuse dans ton organisme, il n'y en a plus. There is not even just a single cancerous cell in your organism. Tu es totalement guéri. You are totally healed. Et puis je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour le privilège d'être ici. And I would also like to bless the Lord for the privilege to be here. Le Seigneur m'a juste montré que je suis précieuse à ses yeux. The Lord has simply shown me that I'm precious in His sight. Et j'ai oublié de mentionner quelque chose. And I forgot something. Il y a deux traités qui ont été traduits. J'ai traduit deux traités pendant que j'étais malade. I translated two tracts while I was sick. Donc le Seigneur me faisait voir que même dans mon état de maladie, je peux travailler pour lui. The Lord made me to see that even in my sick state I could work for him. Puisque je travaille avec le frère Audebert de Paris et Linda. Since I'm working with brother Audebert from in Paris and sister Linda. Je ne leur avais pas dit que j'étais malade. I didn't tell them I was sick. Je pense que le Seigneur avait empêché cela tout simplement pour que qu'il n'ait pas compassion de moi pour parce que il me donnait les traités parce qu'en ce moment-là j'avais besoin d'être encouragé. I believe the Lord just prevented me from explaining my situation to them so that they should not be discouraged. Puisqu'il devait venir en Espagne rendre ministère, il avait besoin que le traité Dieu t'aime soit traduit. And since Brian Debert had to come and minister in Spain, he needed the tract God loves you to already be translated into Spanish. Puisque je ne lui avais pas dit que j'étais malade. Since I didn't tell him I was sick. Et dans cette période-là, j'étais vraiment faible. And during that period, I was really weak. Il m'a envoyé un email, il m'a dit Christelle, voilà, nous avons besoin de ce traité en espagnol. Est-ce que tu peux le faire? He sent me an email expressing the need, the urgent need of the tract, and he asked me if I could do it. J'ai juste dit mon Dieu, je sais pas où je vais prendre la force pour faire ça, mais je vais essayer. And I said, my God, I don't know where I'm going to get strength to do this, but I'm going to try. C'est comme ça que j'ai commencé à traduire le traité. That is how I began translating the tract. Jusqu'à ce que j'ai terminé le traité. Until I finished it. S'ils écoutent ça, ils seront très surpris. Ils vont dire, waouh, donc on a travaillé avec Christelle pendant tout ce temps alors qu'elle était souffrante. If they hear it, they will be very surprised. So they ask themselves, so we worked with Christelle throughout all this period while she was. Mais le Seigneur m'avait empêché de partager tout simplement pour que les gens n'aient pas compassion de moi. Sinon, je n'allais pas faire ce travail que j'ai fait. But the Lord hindered me from sharing so that they should not, have compassion for me and then get discouraged. Donc le Seigneur m'a fait voir que même étant malade, même si j'ai un lit de maladie, on peut faire quelque chose pour lui. So the Lord made me understand that even while on a sick bed, something could be done for him. Et je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur. And I'm very grateful to the Lord. Pour ce miracle de guérison. For this healing miracle. Je dirais que je suis venu au camp des étudiants spécialement pour donner ce témoignage. I will say that I came for this student camp just to share this testimony. Parce que la vérité c'est que je n'avais pas planifié venir au camp des étudiants cette année. Because the truth is I didn't really plan to come for this camp. Mais le Seigneur m'a dit. But the Lord told me. Je t'ai guéri. I healed you. Tu dois proclamer mon nom. You must proclaim my name. Et que toute la gloire me revienne. So that all the glory will return to me. Et je voudrais aussi dire merci à toutes ces personnes qui ont prié pour moi. I'd also like to take this opportunity to thank all those who prayed for me. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont prié pour moi ici au quartier général. I know that there are many who prayed for me here in the headquarters. Vraiment merci beaucoup. Thank you so much. Et que le Seigneur vous bénisse. And may the Lord bless you.
Bénissons le Seigneur tous ensemble pour ce miracle dans la vie de notre sœur. Let's bless the Lord all together for this miracle in the life of our sister. Est-ce que le frère Bernard Kamba attend Ama Kamba tant que je l'appelle? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'arrive pour 10 minutes. Nous en avons pour 10 minutes. Comme nous avons commencé et comme nous vous l'avons promis. Oui. Praise the Lord. Praise the Lord. We have just 10 minutes. Comme nous avons commencé. As we started before. Et comme nous l'avons promis. And as we promised. Les jeunes, les étudiants rassemblés ici, de par le monde. The youths and students that are gathered here and those who are following us from the waves. Ont l'occasion chaque jour. They have the opportunity each day. De suivre en direct. To listen the live spiritual. Yeah, the intervention of someone who is elderly spiritually. Donc c'est une rubrique de Radio Voice of the Cross. So it's a une rubrique, hein, une articulation de Radio Voice of the Cross. It's a program on Radio Voice of the Cross. Intitulé La Tribune du Camp. Which is God. La Tribune du Camp. La Tribune du Camp. Et ce soir. And this evening. La Tribune du Camp va recevoir un aîné spirituel. La Tribune du Camp will welcome a person who is elderly spiritually. Une personne que vous allez découvrir à l'instant même. A person that you discover in a few minutes. Alors permettez-moi de. Permit me to. D'apporter une chaise pour lui. To bring up a chair for him. Pour que, en quelques minutes. So that in a few minutes. Notre dirigeant provincial du Nord-Ouest. Our spiritual leader from Northwest. Vienne nous donner en quelques phrases. Will come and give us in a few minutes. Voilà la quintessence de son appel, son identité et puis ce qu'il pense du temps d'aujourd'hui. Bon, tu veux nous parler un peu? You will come and speak to us in a few minutes. Eh bien, je vous supplie de bien vouloir acclamer pour accueillir le premier. Voilà. Il est devant vous. He is here before you. Et nous allons simplement lui donner l'occasion, comme je l'ai dit, de répondre à quelques petites questions. I will simply give you the opportunity to answer a few questions. Préparé par la rédaction de Radio Voice. Prepared by the editorial team of Radio Voice of the Cross. Alors, sans plus attendre, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Before, without wasting any time, because we don't have much time. Frère Peter Sama, pasteur Peter Sama. Brother Peter Sama, pasteur Peter Sama. Plusieurs ici ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous? Many here do not know you. Who are you? Et quel est votre appel? And what is your call? The face is before you. The name has been called Peter Sama. To add to this, I am the provincial coordinator of our work in the Northwest Province. And concurrent with this. J'espère que tout le monde comprend, hein? Voilà. Ok. La question suivante est posée par Amatias Taboko. In a few words, can you tell us about fasting intercession for Cameroon? That just is what I was going to say. Concurrent with coordinating the work in the Northwest, I am also carrying fasting intercession for the nation of Cameroon. And also for the nations.
for Cameroon and for the nations. Alors, il me semble nécessaire de, peut-être pas forcément de traduire, mais au moins de donner un petit résumé. En plus de l'identité, il dit qu'il est le directeur de l'intercession jeunale pour Cameroun. Les nations. Et pour les nations aussi. Oui, continue. That is what it is. What is it? It is a vision that we received from Brother Zach. C'est une vision que nous avons reçue du frère Zach. God showing us how to effectively disciple the nation. Nous montrant comment faire des nations effectivement disciples. Through the processes of fasting and prayer. À travers les processus de jeûne et de prière. Prayer in the direction of intercession. Prière dans la direction de l'intercession. Standing in the gap for the nation. Se tenir à la brèche pour les nations. Between the nation and God, interceding with God for the nation. Entre les nations et Dieu, donc intercéder pour les nations devant Dieu. How does it occur? Ok, nous allons passer à autre chose. Parce que, to move to another question. Frère Peter Sama, Brother Peter Sama, nous avons, avant cette interview, pris la peine de nous rapprocher de certains jeunes de ce camp. Et il est ressorti que, pour certains, vous êtes une personnalité qu'on n'approche pas facilement. Before this interview, we took time to be able to meet some youths. And interview them, and they confess that you have a personality that is not easy to approach. Il y a quelqu'un qui a dit, ça va vite à c'est quelqu'un. Il faut l'approcher avec beaucoup de révérence. Someone said that Peter Sama is somebody that you have to approach with fear and trembling. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes distant des gens? You don't read a book by its color. When you see me from a distance and you make and you have an impression, a pit hat never wants a fair lady. That's an adage from literature. A pit hat never wants a fair lady. That's when a man is of weak heart and he sees a beautiful woman, he will not approach because he fears that she will not be accepted. The next question. Lorsque un homme pas une femme et qu'il a un cœur méchant, il ne va pas s'approcher parce qu'il pas méchant. That's a quotation from literature. It is a poem. Il ne va pas approcher parce qu'il va penser qu'elle va approcher, c'est ça? Oui. Thank you very much. Une autre façon de dire que les jeunes ont peut-être peur de Dondon Samapita pour rien, c'est ça que tu veux dire? Ok, c'est compris, il n'est pas difficile d'approche, il est accessible. You were instructed today to work with Jean Dédier Wachi to organize a meeting with provincial leaders on the 1st of October 2016 to intercede for the nation and for our ministry. As a response of what God is telling us in the camp, can you speak to us about the necessity of that meeting? Without doubt, a clear eye that looks beyond the sky and sees far must see the need to intercede. Explain yourself, please. What Brother Theodore was saying, ce que le frère Theodore vient de dire, was something that anybody who has an eye that sees
beyond can see that there is that need. C'est quelque chose que toute personne qui a la capacité de voir au-delà pouvait voir évidemment que c'était un besoin. In reality, en réalité, when we went out and I approached Brother Jean de Dieu, et je me suis rapproché du frère Jean de Dieu, he said, il a dit, 2 days ago he was just talking about that. Il y a 2 jours, il en parlait justement. So, before brother pronounced it, donc avant que le frère ne le prononce, it was in his heart, c'était dans son cœur. There is no doubt a need for donc that. C'était un besoin effectivement. For us to fast and pray for the nation. Pour que nous prions et que nous gênions pour la nation. Alors je vais rebondir directement pour dire, alors est-ce que ça veut dire que vous, le frère Jean de Dieu y pensait, vous-même vous y pensiez? Alors si c'était évident, pourquoi avoir attendu que le leader parle? Well, really, the New Testament church is a church of leadership that works together. You have something in your heart, another one brings it, and it is a confirmation of the reality. Donc le fait qu'il avait la chose dans son cœur, le frère Jean de Dieu avait la chose dans son cœur, et notre leader en a parlé, c'est une confirmation que cela vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais, docteur Peter Sama, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Nous avons trouvé un extrait d'un article quelque part qui a évoqué pour nous quelque chose. Je lis les deux ou trois phrases de cet extrait. Oui. C'est le 14 mars 2009, le monde universitaire d'une part et le milieu chrétien d'autre part perdait une figure emblématique de la recherche scientifique et du leadership spirituel. Les médias du monde entier déploraient en concert la perte d'un homme exceptionnel dont l'évocation du seul nom suscite encore, 7 ans après, des réactions à forte charge émotionnelle chez ceux qui, très nombreux, l'ont aimé comme père, comme dirigeant, comme modèle. C'était le regretté Zacharias Dane Komoun. Qu'est-ce que cela évoque en vous? Well, a big story. A mixed feeling. Sentiment mixé. Yes. Sentiment mitigé. A general finishes work. That's one thing. Un général finit son œuvre. Yes. Ça c'est une chose. I was standing before him. Je me tenais devant lui. And he wrote what you have in print today. Et il écrivait tout ce que vous avez devant vous aujourd'hui. C'est les 3 satanic hosts have been overthrown and you will see it. Et que les princes, les principautés ont été renversés. Les trois princes de méchanceté ont été renversés. Vous allez le voir. It was midnight. C'était minuit. But I was a little bit destabilized, so I couldn't get it. Donc, I was a little bit destabilized, so I couldn't get it. That's what he said. I'm quoting. Ah, je suis en train de le citer. Il disait que j'étais un tout petit peu déstabilisé. So I couldn't get it. Donc, je n'ai pas pu. Le saisit. And he wrote it. Et il l'a écrit. That's what was sent to Yaoundé. Yes. C'est ce qui était envoyé à Yaoundé. The work had been done. L'œuvre a été accomplie. And he said. Il a dit. So mine is ended, but we will continue. We will continue. Those who had to go through the 40 days had to continue to their own end. Donc ceux qui doivent continuer le jeûne des 40 jours doivent continuer. And we were supposed to prepare for the Pentecost that was before us. Et nous étions supposés nous préparer pour la Pentecôte qui était devant nous. Then he went out. Alors il est sorti. Ministered. Dans du ministère. To certain people. Avec nous, il a rendu ministère à quelques personnes. And he said bye bye. Il a dit au revoir. It's hard to forget. C'est difficile. C'est difficile d'oublier ça. To forget. C'est difficile d'oublier ça. Can still see it. Je vois encore la scène.
I wanted to go with him. Je voulais aller avec lui. He said no. Il a dit non. Go and teach. Va enseigner. I'll come back and meet you. Je reviendrai te voir. Then I went to meet him. Alors je suis allé à la réunion. That's how it was. C'est comme ça que ça s'est passé. And then we had to handle what we handled the way we had. Then we had to handle what we handled the way we handled. Alors nous avions à gérer ce que nous avions à gérer, comme nous avions à gérer. Because he had said. Because he had said. Parce qu'il l'avait dit. He had to. Actually, that meeting was supposed to be in Kambe. En fait, cette réunion était supposée se tenir à Kambe. And he told me. Il m'a dit. It will be too heavy for them. C'était trop lourd pour eux. So I will not go to Kambe. Donc je suis allé à Kambe. It will be in Bamenda. Il est allé à Bamenda. Fools that we are. Insensé que nous sommes. I didn't get between the lines what he was saying. J'ai commencé à je n'ai pas pu je n'ai pas pu ceci ce qu'il disait entre les lignes. C'est ça, c'est ça. Tonton Vidasama, je crois que il faut pas qu'on continue davantage cette évocation parce que tu risques de nous faire couler les larmes. Il serait peut-être bon, n'est-ce pas, qu'on mette un terme à cet entretien. Je vais passer la parole à Charles pour une dernière question. Merci. With your experience and perception of the youths of our generation, which our president has named Android Generation, what counsel do you have to give? Android, yes, very good. You see, the Android is a good instrument if it's applied to the good use. For instance, you can communicate, you can tap information for prayers, for intercession. Well, you can waste your time also. One thing I want to say from my own perspective and from my own from my own place of war. If any youth will matter any much in this ministry, he will be a person who prays. The real things are done in prayer. That's what I saw with Zeti. C'est ça, les vraies choses sont faites dans la prière, c'est ce qu'il a vu avec Sétièvre. Et pour terminer véritablement, depuis... Let me say very clean and clear. Ok, vas-y. There is no place in this world where if there's an effective fasting intercessor who begins a team, there will be no door open. Or there will be a door shut. There's no way. Il n'y a pas moyen que dans cette œuvre, quand il y a véritablement de la prière, de l'intercession, qu'une porte reste fermée. Ce n'est pas possible. Si on prie et on jeûne, toute porte sera ouverte. C'est ça que tu veux dire. We have all that matters. Nous avons tout ce qui compte. It's just the heart. C'est juste le cœur. To sit down and pray. Pour s'asseoir et prier. He wrote in one of the books. Il a écrit dans l'un des livres. The prophecy of a nation is written by those who pray. La prophétie d'une nation est écrite par ceux qui prient. When you pray, quand vous priez, in the will of God, dans la volonté de Dieu, you have aligned the nation to go that direction. Vous avez aligné la nation pour qu'elle suive cette direction-là. So if God sends you to China, donc si Dieu t'envoie en Chine, to India, en Inde. To Gambia, and you be, and you can pray. Et tu peux prier. The doors will remain open. Les portes seront ouvertes. Or if they are shut, ou bien si elles sont fermées. By the time you approach, they will open. Quand tu vas t'approcher, elles vont s'ouvrir. It's very, very important.
C'est très, très important. By the 16 steps. Steps of the normal Christian life. Oui, les 16 étapes de la vie chrétienne normale. You used to walk close with God. Ça t'amène à marcher proche de Dieu. And you are a prayer warrior. Et si tu es un guerrier de prière. There is nothing impossible. Il n'y a rien d'impossible. Je sais que vous terminez tout à fait, Tonton Peter Sama, depuis un certain nombre d'années. On constate que tu es régulier dans les camps bibliques. Or, comme tu viens de le dire, ton appel, c'est dans l'intercession jeunesse. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que tu cherches quelque chose dans les camps? Pourquoi tu es toujours là? Je cherche beaucoup. Il y a plus. Il y a les Daniel ici. C'est de pareils gens que je suis en train de chercher. Je veux les voir. Ceux qui viennent de là-bas. Parce que ce sont mes gens. Because it is among the youths who, among the many youths of Hebrew birth, who were slaves, one Daniel came and he picked three people. They stood up and they changed the face of time. Those people are found among the youths. Parce que c'est dans la jeunesse hébreu, hein, à l'époque, il y avait un Daniel. Donc c'est ici, dans cette jeunesse, que lui il va trouver les Daniel dont il est à la recherche. Yeah. If I have those, I can give them my coat and I'll be gone. Je peux leur donner mon manteau et je m'en vais. And I'll be sure it will be okay. Et je serai sûr que les choses vont marcher. Eh bien, nous allons dire merci à Tonton Osama Peter parce qu'il a accepté de répondre à nos questions. Et merci également à vous tous qui avez suivi et même à ceux qui suivent en ligne. Je voulais simplement rappeler que dès que nous annonçons un invité, ou bien, même si on ne l'annonce pas, comme nous avons dit que nous recevons des aînés, si vous avez une question que vous aimeriez adresser à tous ces aînés-là, vous pouvez envoyer votre question par SMS au numéro que nous allons vous communiquer dans vos programmes, par exemple demain matin, pour ceux qui nous suivent en ligne. Si vous voulez noter un numéro auquel vous pouvez envoyer une question, vous pouvez simplement envoyer au 6 54 92 20. 6 54 76 92 20. Vous envoyez. Oui, 237 bien sûr pour Cameroun. Si vous avez une question à adresser à un aîné, parce que nous avons dit dans cette rubrique, on choisit un aîné, on lui pose des questions comme là maintenant. Vous pouvez avoir des préoccupations si vous êtes hors de Vertois, hors de Goumé, ou bien si vous êtes dans le camp, dans le campus, à ce numéro-là, 6 54 76 92 20, sans oublier le 237 pour ceux qui sont hors du pays. Donc, vous pouvez envoyer des questions. Sur ce, nous vous disons merci et en prenant rendez-vous demain soir pour un autre invité, ce sera véritablement une surprise cette fois-là. Gloire à Dieu. Amen.